Le partage dure longtemps, dure très longtemps. Le gouvernement s'est fait attendre. Au même moment, les concepts nouveaux apparaissent, congolité, mais également prise en otage, comme le dit Akaj aujourd'hui, du peuple congolais par l'Union sacrée. Est-ce que les journalistes pensent la même chose? Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine, avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, moi, j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. Je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Samedi. Effectivement, il est samedi à Kinshasa et nous sommes très heureux parce que je sais que vous êtes très nombreux à travers le monde. Et maintenant, comme nous sommes en live sur le web, vous nous suivez en même temps sur votre téléphone, mais également devant votre petit écran. Et ça fait plaisir parce que nous avons énormément de retours sur ce qui se passe sur Télé50, comme le focus de chaque dimanche, 14h-16h, heure de Kinshasa. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur... le gouvernement qui s'est fait attendre, mais aussi des concepts nouveaux, congolité à l'ivoirienne. On avait parlé autrefois entre Laurent Gbagbo qui était lui pur sucre ivoirien, mais Alassane Ouattara, un peu d'origine burkinabé, mais peut-être du nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est l'autre dauphin qui avait promulgué cela en Côte d'Ivoire. Ça risque d'avoir lieu ici parce que la bataille de 2023 est déjà en cours et Moïse Katumbi est déjà dans la ligne de mire de beaucoup. Est-ce qu'il fait peur? Il ne fait pas peur? C'est sera la question qu'on va se poser tout à l'heure avec beaucoup de journalistes qui sont déjà en place, dont les pertinents, les impertinents, mais aussi ceux qui s'écoulent les cocotiers de la République, comme Peter Chang. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Le seul journaliste à qui Kumwaku Mwanza a accordé l'interview. Merci, Président. Merci de cette marque de considération, exactement. Devenu président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le Baba Kiongo m'a déplacé de Kinshasa pour que je réalise une... Et pourquoi a-t-il traité les autres des charognards? Non, il a traité les députés qui des veulent tous entrer au gouvernement. Vous connaissez la manière de parler de Baba, il n'y a pas vraiment souvent... Oui, mais il est président la langue dans sa poche. Vous allez la voir, si vous voulez, je peux organiser ça. Volontiers. Parce que, vous allez la voir déjà aussi. Reçu, hein. Oui, vous pouvez encore la voir. Il est surtout pour vous, en tant que notre président. On peut bien organiser ça. Mm. Sinon, il a voulu que nous puissions faire le déplacement pour Lubumbashi. Nous sommes arrivés, on a réalisé cette grande interview en présence même du public et même des membres de l'UNAFEC. On a posé des questions et il s'est déchaîné. Oui, les gens ont appris. Charognard. Il s'est déchaîné, il a dit que tout le monde veut devenir ministre, tous les députés veulent devenir ministre. Mais il ne fallait pas les chercher, ces députés. Voilà, donc. Il ne fallait pas les chercher. Et donc, c'est des charognards et ça fait jaser. Il a parlé même de la
cette question de congolité. Il a, voilà, c'est un proche du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah bon, il est proche du chef d'État même. Oui, lui, il est très proche de bah, il était. Il disait Joseph Kabila, notre fils. Il est très proche de. Il est proche de tout le monde. Hein? Il est très proche de Félix Tshisekedi. Il a soutenu Félix Tshisekedi dès la première. Mais il heure, était c'est, proche de Kabila. C'est connu. Aussi. Quand il était président de l'Assemblée et en duo avec Moïse Katumbi. Oui, exactement. Et voilà. Puis tout juste après, Kabila l'a mis en résidence surveillée pendant trois ans. Ça a quand même posé problème. Mais là, c'est un apostrophe. C'est un apostrophe. Donc, c'est un peu ça. Juste mais, à côté de mais vous. Mais merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et merci pour la famille de la presse que je retrouve aujourd'hui. Merci beaucoup. D'ailleurs, comme c'est lui qui est en dimanche aujourd'hui, et je sais que malgré l'interdiction de fête le week-end, il est déjà tiré à quatre épingles. C'est Joël Kadendanga. Bonjour, cher mon frère. Et merci pour l'invitation. Les doctorants. Nous y tenons. Véritablement doctorants. Véritablement doctorants. Et nous avons renoué aussi avec le droit, parce qu'on veut être totalement complet. Ça, c'est très et bien. Aussi étudiant en G2 droit à l'université chrétienne Cardinal Malone. Mais il semblerait qu'il y a certains qui sont encore étudiants, mais qui président les institutions. Je voulais faire allusion à Kabound. Mais la précision pour Joël Cadet, il est étudiant en droit, mais il a un diplôme de licence en relations internationales. Voilà. Mais d'autres, est-ce qu'il a un diplôme de licence Moi L'autre. Bon, en tout cas, moi, j'ai un diplôme de licence. Hein. Non, l'autre GMK. L'autre GMK. Je ne sais pas en quoi le diplôme, d'ailleurs, je crois que le non, professeur... C'est toujours intéressant. Non, le professeur Kalouba a donné la définition d'un intellectuel et les diplômes. Les diplômes, c'est une présomption... De connaissance. De connaissance. Oui, ça n'a rien à voir. Mais il faut l'avoir. Je connais ceux qui ont le diplôme comme... dont auquel c'est qui son nom, Olingankoy. Dont auquel dans l'université américaine en Belgique. Bon, il a écrit en anglais. Donc c'est pour vous dire, mais Kabound vous a prouvé que moi je l'aime sans bien. Diplôme, avec ou sans diplôme, il a réussi. C'est très tendre. Une révolution parlementaire et ce qui entre ça dans les annales. Ça n'existe pas une de la théorie. De la politique, je crois ça que n'existe pas une évolution les étudiants en sciences politiques, en relations internationales et même en droit devront étudier le cas congolais comme une nouveauté dans une pratique parlementaire bien qu'est-ce donnée. Qu'est-ce que c'est? Et c'est pour cela d'ailleurs. Ce qui vient de se faire. Mais c'est pour cela d'ailleurs que tous les laboratoires sont mobilisés pour détruire et salir l'image de Jean-Marc Kabound à Kabound. Et ce n'est pas pour rien que vous avez fait allusion à son diplôme. Non, j'ai juste ça comme ça. Mais juste apostrophe. Vous aurez la parole tout à l'heure pour nous expliquer un peu ce que ACAJ, une association plus que sérieuse, qui vient de publier un communiqué très salé, pour ne pas dire violent. Il y a à peine quelques heures. Sur l'Union sacrée. Oui, ça fait mouche. Parce que vous avez parlé dans Dimanche, je marie ma fille, Nergès, de mon église, la fille que j'ai élevé. Félicitations. En face de vous, vous avez le pertinent. Quand je parlais de pertinence, c'est John Lungila qu'on ne présente plus parce qu'il est mi-ange, mi-démon. Quand vous le voyez, il vous inspire la tendresse et la stabilité. Mais dès qu'il commence à vous décortiquer parce que c'est sa formation... Il n'y a pas de justesse dans la présentation des invités. L'analyse de texte... Bienvenue, monsieur Lungila. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour l'invitation. Mais je vais vous demander une chose, il ne faut pas gâcher ces débats. Hein. Si vous voulez gâcher ces débats, il faut... Avec quoi? Quand vous citez Kabound, vous citez Katumbi, ces débats risquent d'être gâchés. Parce ah bon? Il y a beaucoup d'émotions. Oui, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Bon, j'aime beaucoup Joël Kadé, mais je dois lui rappeler, on ne fait pas carrière en doctorat. Depuis qu'il nous apprend, qu'il nous avait informé, non, il est doctorant en cours. Jusqu'à aujourd'hui, il ne défend pas, il ne soutient pas. Non, il les prépare. Il n'y a qu'au Congo où, quand vous êtes inscrit à l'université, vous devez faire non, trop il de bruit autour il de prépare, ça. Il prépare. Il faut d'abord terminer, venir nous informer que vous avez soutenu votre thèse et que vous avez distingué ou je ne sais pas quel moment. Comme Chadar. Épargnez-nous de bruit à tout moment, doctorant. Merci beaucoup. Je n'en ai jamais parlé, c'est Jean-Marie Kassamba. Mais j'aime bien parler de ça. Je le présente et une recherche doctorale. Ça prend du temps. Se mène sur plus de 20 ans, monsieur. Je vous informe. Voilà. Donc ce n'est pas un petit truc que l'on donne à quelqu'un. Ce n'est pas la manière de Chadal. Ce n'est pas la manière on remet à un professeur d'université pour faire la thèse, monsieur. Donc ça prendra le temps que ça va prendre parce que c'est une recherche scientifique. Merci beaucoup. C'était juste une préoccupation. Voilà.
Oui. Merveille Balingue, info vrai, point net. C'est toujours le vrai là qui me... Justement. Me perturbe parce que... Je ne sais parce que je vois le vrai journal en face de vous. Tout à fait. Et vous, vous êtes info vrai. Info vrai. C'est comme s'il y avait le faux. Non, non, même pas. En fait, dans la communication, c'est très important, vous savez. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit sur ce plateau avec des fake news qu'il y a aujourd'hui. Le fait d'ajouter vrai, à mon avis, je pense que ça donne quelque chose de particulier à mon média. Cependant, j'aimerais relever un problème. En fait, Président Kassamba, je suis mal à l'aise sur ce plateau lorsque... On parle des diplômes, justement. Vous savez, c'est ce qui a tué les Congos. Les diplômes. C'est ce qui tue les Congos, justement. Des docteurs, des professeurs, etc. Et ce n'est pas important. Nous avons besoin... Mais il y en a qui sont déjà présidents des institutions, mais qui répondent quand même sur le banc. C'est que nous avons besoin des politiciens formés. Qui... Non, même pas formés, qui sont prêts à travailler réellement pour le peuple. Vous savez, ce n'est pas ce débat de... Mobutu n'était même pas licencié. Hein. Ce débat des diplômes a commencé depuis longtemps. Et ce problème ne prendra pas fin aujourd'hui. Lorsque nous venons sur un plateau de télévision pour parler de l'actualité aujourd'hui, le gouvernement n'est pas encore là. Ça va faire au moins plus d'un mois. Ça pose problème. On va en parler. Justement, mais je pense que les débats des diplômes, là, moi, ça me met mal à l'aise. Nous sommes tous... Moi également, j'ai fait les DEA. J'ai fait les DEA à l'IFASIC. Je suis enseignant à l'université. Mais... Je ne fais pas allusion à cela. Ayez vos apaisements. Parce que je suis d'abord journaliste et nous sommes sur ce plateau pour décortiquer l'actualité. Nous sommes des leaders d'opinion, les gens nous suivent. Ils sont tous devant leurs petits écrans, justement. Ils ont besoin que nous puissions décortiquer l'actualité. Donc, je demande que nous puissions mettre de côté ce débat des diplômes et de parler actualité. La parenthèse est fermée. Merci. En saluant la plus intelligente d'entre elles, on dit qu'elle est... cinglante lorsque elle analyse froidement. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo où on dit voici comment et pourquoi Élisée Wodia s'est bat ou contredit ou est redouté. C'est votre marque de fabrique, ça? Bah, je sais pas. Il y a eu plusieurs vidéos que j'ai eu à rien. Donc je c'était sais, une interview avec Jean-Pierre Kayembe. Ah, ok. Voilà. Libre à cela, on est là. Vous vous rappelez cette vidéo? Oui, je me rappelle. Voilà. Je me rappelle. Vous allez bien? Je vais bien, merci de la citation. Alors, ACAJ vient de publier un communiqué violent. Aussitôt sorti, un diplomate m'a appelé pour me demander d'abord si c'était vrai. J'ai dit oui, c'est vrai. Capian Bajor vient de sortir avec son équipe de nos studios. Il vient d'enregistrer une émission qui sera diffusée d'ailleurs dans quelques heures. Où il dit in extenso... Union sacrée nous déçoit. Union sacrée a pris en otage le peuple congolais. On a attendu le gouvernement qui ne vient pas. Il y a du chantage. Et le président n'arrive pas à décider. Et c'est très violent comme communiqué parce que d'aucuns disaient qu'Apiamba soutient yeux fermés des Fatih, yeux fermés de l'Union sacrée, etc. Mais il est le premier à tirer la sonnette d'alarme. On a écouté Bab à dire qu'il y avait des charognards qui étaient là pour vouloir toujours aller au gouvernement. On a écouté certains qui parlaient de 80 postes plutôt, candidats pour 8 postes. Et on a entendu aussi dire que Katumbi et son ensemble faisaient chanter le gouvernement. Et c'est pour ça qu'on a sorti toutes les théories. Katumbi voleur, Katumbi étranger, Katumbi et Tchani, pas celui-ci, l'autre, a sorti sa théorie. De père et de mère. Même si lui-même aussi est américain. Fermez la parenthèse. Réponse. Bah, déjà, c'est... Non, je ne sais pas à quel... Oui, je ne sais pas, je veux répondre sur quelle base. À cage d'abord. À cage, on commence par... Tout ce que j'ai dit à côté, c'était pour planter le décor. Oh, ok. Voilà. Je crois qu'à cage a été cohérent en disant cela, parce que ça a fait d'autant plus qu'il n'a pas été le premier. Je crois que depuis la nomination du Premier ministre, il y a certains qui sonnaient déjà cette sonnette d'alarme. Donc il a juste peut-être essayé de rattraper ce train-là. Mais le temps, il faut le dire, et c'est quand presse. Il dit l'otage, l'Union sacrée nous déçoit. Et d'ailleurs, Perrault, Loire, pour ne pas le citer, était le premier dans ses coups de gueule. Bon, d'ailleurs, on condamne d'ailleurs que ce matériel soit détruit, on ne sait pas par quelle magie... Il a eu un mauvais courant, mais bon, mauvaise coïncidence ou pas, on ne sait pas. Mais lui, il était le premier à dire, de la manière dont les choses évoluent,
le peuple ne va pas se retrouver. Et là, Akash dit in extenso, l'Union sacrée prend le peuple en otage. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il est dans une logique, il est cohérent. Ça fait un peu plus d'un mois que le gouvernement n'est pas là, que tout est à l'arrêt. C'est Katoumbi alors? Non, mais je n'aime pas trop, surtout quand je viens participer, parler des individus et ceux qui nous connaissent. Mais on dit c'est l'ensemble. Moi, je ne parle pas d'individus, je parle de principes. On dit dans un premier temps, libre à ceux qui... Non, je ne parlerai pas de ça. On a ça. Dit dans un premier temps, ils voulaient... Je ne parlerai pas d'individus. Les contenus des ministères avant d'envoyer les candidats. On est face à une évidence. On est face à une évidence. Il n'y a pas de gouvernement. Maintenant, il faut savoir, il faut qu'on nous dise pourquoi il n'y a pas de gouvernement. C'est vrai, vous dites ensemble de l'autre côté. De l'autre côté, on nous parlait de l'UDP, ce qu'il avait avoué. Mmh. Il y a quand même beaucoup. Mais là, en quoi est-ce que l'intérêt de la population, elle est où dans tout ça? Il est où dans tout ça? L'intérêt de la population, c'est de voir qu'il y a des gens qui essaient de prendre à bras le corps ces difficultés. Mmh. Et on ne voit pas ça dans le chef de nos politiques. En lieu et place, on essaie de nous ramener d'autres débats. Pendant qu'on n'a même pas encore fini avec le gouvernement, parce que là, les ministres ne travaillent pas, il n'y a rien. Maintenant là, fouillez, vous verrez que ce sont plus des conseillers au niveau de la présidence qui essayent de tout gérer. Mmh. Moi, ma crainte, c'est de voir la répétition quand même d'une histoire récente de notre pays. Chile Gilles. Non, je ne parle pas de Chile Gilles. Je parlais plutôt de ces temps qu'on a vécu pendant la période de 100 jours. Mmh. Quand à un certain mais 100 moment, jours, regarde Chile Gilles. Non, Chile Gilles, je crois que c'est un programme de réhabilitation, des routes, des dessert, mais on les lance au moment où il n'y a pas de gouvernement. Non, mais c'est vraiment pas ça. Mais je dis... pas tellement Chile Gilou, mais ses conseillers de la présidence. Ils ne gèrent pas que ce programme-là, ils gèrent bien d'autres choses. Mmh. Ils se substituent maintenant au ministre. Et quand ça va capoter, on risque de revenir à ce dont on a décrié la loi. Et ça, c'est le problème. Mmh. Autre chose que je veux dire, la cage a le réseau. Il est revenu sur ce bon sentiment, je pourrais dire, parce qu'on commençait vraiment à lui prêter certaines intentions. Oui. En disant, par exemple, ça fait... 40 jours, je veux dire. Il n'y a rien. On fait quoi? Mais les gens de l'UDP se disent que c'est tout à fait normal. D'ailleurs, regardez, pendant FCC Cash, on a issu... On ne cessera jamais de le dire, la notion de temps. Je dis, les politiques congolais ou les autorités congolaises ne sont pressés que quand il faut traverser les rues de Kinshasa. Là, tu verras les gyrophares. Rapide. Tu verras les même escortes, s'il n'y a pas d'urgence. Que ce soit le matin, à midi, le soir. Ils sont pressés que dans ce cas-là. Mm. Mais quand il faut parler des choses sérieuses, on vous dira oui, ne confondez pas. Vitez ces précipitations. Ça, c'est récemment. Mais en attendant, tout est à l'arrêt. Bon, c'est ça le problème. Laissez-moi poser la question à Peter Tchani, parce que ça choque l'opinion. Union sacrée égale. Vous, Peter Tchani, vous avez dit d'ailleurs, il faut qu'on arrête avec ces mariages incestueux, si c'est cash, il faut qu'on aille vite, il faut venir maintenant s'occuper de la population, il y a la misère. Vous descendez d'ailleurs très souvent dans le bas quartier pour filmer un peu ce qui se passe, et c'est tant mieux d'ailleurs. Pourquoi Moïse Katumbi et l'ensemble bloquent? D'abord, c'est le nombre des ministères, ensuite contenu des ministères. C'est pour ça que les gens de l'UDP ne sont pas d'accord. Je suis très content de la communication de Akaj, de Georges Kapiamba, avec qui j'ai d'ailleurs parlé hier pour un autre dossier. Jean-Marie, je suis de ceux, vous l'avez dit, qui... Je suis de ceux... On est plusieurs, hein, je ne vais pas dire... Offusqué par la misère, non, choqué par la situation difficile. On a porté cette nouvelle donne de l'Union sacrée, parce pourquoi... Ce n'est pas pour le plaisir de le faire, ce n'est pas pour la tête des gens ou les têtes des gens, c'est parce qu'on estimait que hier, le discours était que Joseph Kabila a bloqué. Oui. Joseph Kabila a bloqué Félix Tshisekedi pour qu'il travaille. Oui. Les ministres de FCC bloquaient les ministres de Cash pour travailler. Mmh. Alors nous tous avons dit qu'il faudrait rompre ce mariage pour qu'on ne bloque plus le président de la République. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a une déception. Une grande déception. Déjà, quand le Premier ministre dit qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, oui. C'est gravissime. Pourquoi? Il dit que je travaille dans la sérénité. Bon, Élisée a dit quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'ils sont... C'est quand il y a des gyrophares que les gens sont pressés dans les rues. Jean-Marie Kassamba, la situation sociale aujourd'hui. C'est gravissime. Et même pire que pendant Kabila. Moi, je n'ai plus de courant. Je ne dors plus. Il n'y a plus d'eau à Kinshasa. Hein. J'en boive de l'eau de puits. C'est-à-dire que je suis des reportages... Des écoles à Kinshasa, à Jean-Marie, nos enfants étudient dans des conditions pas possibles. Mais en ce moment-là, pendant ce temps,
Donc il n'y a pas urgence. Ça veut dire que le politicien congolais dans sa tête, il n'a pas, il ne sait pas que la situation du Congo est une situation. Voilà, Biden vient d'arriver. Voilà des mesures prises. Déjà. Mais on en est où aujourd'hui? On commence par les consultations, c'était bien. Mais ça tire en longueur. Et le premier ministre qui consulte aussi. Le président consulte, Bati vient, il consulte. Le premier ministre consulte. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'a finalement pas de gouvernement. Jusqu'à avoir l'ouverture de la session parlementaire, toujours pas de gouvernement. Aujourd'hui, j'utilise le conditionnel, il semblerait qu'il y, il y aurait même une motion en gestation contre le bureau Mbosso déjà. Bon, ces services m'ont appelé pour dire que c'est un fake news. C'est un fake news. Oui. Souvent, ça commence comme ça. Mais il se murmure toujours. Mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Ça veut dire que on a l'impression que le pays est aujourd'hui à la volo. Mais bon. Ceux qui sont à la maison disent que là, Peter fuit la question. Non, je reviens. Pourquoi Moïse Katumbi bloque? Bon, ce discours-là, Jean-Marie, on a vu ça. On a vu un discours où Vital Kamerhe était un coach. D'abord, il ne voulait pas être premier ministre. Ensuite, j'y arrive. Il veut le ministère juteux, dont le ministère de mines. Ensuite, il veut le contenu des ministères. J'y arrive. Il veut arracher les ministères. Je suis mieux placé pour communiquer sur ça. Oui, alors allez-y. Parce que c'est pourquoi pas c'est, je, c'est les pas gens de l'IDPS disent que c'est Katumbi qui bloque? Il n'y a pas de souci. Hier, on disait que Vital Kamerhe était coach. Il a coaché, il était super. Ensuite, on l'a traité de voleur. Il comme a on dit de Katumbi, hein. On a déterré il a tout, été, tout. Il a été au procès. Tous les dossiers. On a même vu sa femme, même ses enfants. Ensuite, c'est Joseph Kabila qui était le meilleur partenaire. On a même fait des meetings pour dire que c'est lui qui touche à Kabila, touche... C'est un ennemi public. Oui. C'est un ennemi public. Mm-hmm. Ensuite, Kabila est devenu qui? Il est devenu celui qu'il faut abattre. Mm-hmm. Hier, c'est Moïse et Bemba qui étaient ceux-là qui ont sauvé l'Union sacrée en venant. Aujourd'hui. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un appel du chef de l'État. Martin Fayulu a clairement dit non. Mm-hmm. Félix Tshisekedi ne va pas respecter les engagements. Je ne veux pas y aller. Mm-hmm. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont dit non. C'est un appel d'un digne fils du Congo pour sauver le pays. Et pourquoi on dit qu'il bloque? On doit y aller. Mais avant que ce soit Moïse, c'est d'abord Bemba qui a essuyé des tirs. Lorsque les catholiques ont parlé des élections ici, ils ont essuyé des tirs terribles. On a même insulté le cardinal Maloula. Triste, j'étais hors de moi. Et aujourd'hui, c'est Moïse. Mais on a suivi Kabound dire que j'étais avec... Ça, c'est des bourdes même. Oui, j'étais avec les deux. Et vous êtes dans une réunion avec le président de la République. Oui, oui. Mais vous passez à la télévision pour dire j'étais avec le deux, avec le chef de l'État. Oui. Et vous osez dire ils ont demandé les postes, ils sont venus pour les postes. Moi, j'ai refusé. Oui. Vous frustrez déjà des partenaires. Et après demain, on envoie François Béa, on va voir Moïse pour qu'il devienne premier ministre. Quelqu'un qui a démissionné en étant gouverneur du Katanga. Voilà. Et comme Moïse vous dit que moi je n'étais pas venu pour les postes. Il y a des personnes qualifiées que vous pouvez nommer. On rentre, on commence à insulter. On cherche des boucs émissaires. Lorsqu'on cherche le pouvoir, c'est pas pourquoi, pour le plaisir du pouvoir. Mais pourquoi on s'attaque au Katumbi avant même que le gouvernement se mette en place? Oui, ça veut dire qu'on a l'impression que les gens qui s'attaquent aujourd'hui à Katumbi ont déjà l'impression que le gouvernement va échouer. C'est l'impression que ça donne. Donc c'est comme s'il y a déjà un échec prémédité, mais il faut chercher le bouc émissaire. Il faut chercher quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut chercher à qui faire porter les chapeaux comme hier. Parce qu'aujourd'hui, quand on cherche le pouvoir, c'est pour pouvoir changer la vie des Congolais. Mais regardez les décisions prises aujourd'hui, Jean-Marie. Qu'est-ce qui empêche vraiment nos FRDC aujourd'hui à se battre dans l'Est pour mettre un terme à la situation de l'Est? Pendant que des sommes faramineuses continuent à sortir, mais les militaires, il semble qu'il a 20 dollars de prime, oui, comme l'a dit le député. 20 000 francs. 20 000 de prime. Oui, oui. Mais pourquoi l'argent? On parle de dépassement budgétaire à la présidence, on parle Samuel Kondé. Peut-être fake news, je ne sais pas, avec trop de pincettes. Il semble que là où il est logé... Mais est-ce qu'il habite au fleuve Congo? Parce qu'on voit l'escorte en bas avec... On a dit que c'est faux, que ce n'est pas 8 500 dollars par mois, mais qu'on nous dise au moins c'est combien. Mais pourquoi doit-il habiter là-bas pendant qu'il y a... Il ou Kamba lui a laissé des bureaux. C'est il y a même... Voilà, tout ça, c'est des dépenses. Mais il n'a pas de maison. Tout ça, ça... Jean-Marie, mais c'est... On doit habiter dans sa maison cet quand même. Cet argent-là ne peut pas servir avec les militaires qui se battent dans l'Est. Quand vous êtes dans un bar ici à Kinshasa, vous allez voir un blessé de guerre, Likolo Yakokatana. Il vient vous demander 50 francs. On a vu ça sous Kabila, devant, de doit-on voir ça encore sous Félix. Ça, c'est des choses qui touchent. Mais les gens de l'IDPS qui étaient sous ce pas plateau. Qu'il y ait une fixation Peter Chani, pour dire Kabila, Kabila. Moi, je ne peux plus avoir un discours aujourd'hui de dire Kabila, Kabila. Non,
On a dit que Kabila est maintenant à Kachamata, il se repose. Oui. Gérons le pays quand même, Jean-Marie. Disons la vérité aux Congolais. Mais il bloque ou pas Katumbi? Parce que les gens là qui font des vidéos dire que Katumbi, il est, bon, c'est un affairiste, il vient pour le ministère des Mines, il vient nous bloquer, etc. Vraiment, si Katumbi bloque le gouvernement Sam, en étant lui un individu qui est croisé, bon, on dit que pour qu'on avance, il faut Katumbi. Mais il dit que alors, son quota, alors, son quota. Alors ceux qui sont, pour moi, ça n'engage que moi. Oui. Si les députés et même les responsables des ensembles étaient des patriotes de ces pays, leur chef s'appelle Moïse Katumbi. Il a refusé d'être premier ministre. Et vont aller faire quoi là-bas? L'UDPS n'a pas des gens qui peuvent travailler. L'UDPS doit travailler. Mais ça, c'est le pouvoir, le régime. Oui, mais oui, il faut qu'on donne, les combattants ont besoin de travail. Qu'on donne du travail aux combattants. L'UDPS a beaucoup de cadres. Qu'on donne le travail au ministère qui les gère. Si les gens des ensembles, il y a des gens qui sont logiques avec eux, même ceux de Bemba, qui se disent, on est venu. On a, ça, c'est, ça n'engage que moi, Jean-Marie. On a travaillé pour l'Union sacrée, pour mettre Kabila de côté. Maintenant, Fatih a les mains déliées. Et maintenant, continuez, nous restons d'ailleurs. Mais comme, est-ce que vous comme, êtes comme, pas excessif? Comme et à Ensemble, oui. Et à OMLC, et au FCC, et à l'UDPS, c'est de la racaille partout. Parce que c'est l'homme politique congolais. Jean-Marie, on n'a pas d'homme politique congolais qui aime ce pays. On a des gens qui, pour un problème de positionnement, peuvent traverser à gauche. La révolution dont a parlé Joël Kadé, oui, mais... Les gens sont venus à l'Union sacrée. Ils n'ont pas. Est-ce que quelqu'un qui est avec Kabila à 18 ans, il vient chez Félix 2 ans. Il s'est vraiment converti à la foi de Félix. Deux mois. Il s'est vraiment converti à la foi des Tshisekedistes. Vous savez, des gens ont changé. Tous les gens sont venus par positionnement. Joël Kadé. Pour se dire. Et lui-même Katumbi, qu'est-ce qu'il pense de ça? Non, il faudrait encore que je lui pose la question. Posez-lui la question. Je ne lui ai pas encore posé la question, mais c'est quelqu'un avec qui vous parlez très bien. Vous pouvez lui poser la même question. Oui. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il ne faudrait plus qu'il y ait des boucs émissaires. Il ne faudrait plus qu'il y ait une situation où on cherche à qui faire porter les chapeaux. Samalou Kondé doit travailler. Parce qu'aujourd'hui, j'apprends qu'il y a un problème encore entre Samalou Kondé et Kaboul. Oui. Il y a un sérieux problème. Problème de composition du gouvernement. Oui, oui. Parce que chacun prend des listes à gauche, à droite. Oui. Déjà, consulte aussi de son côté. Bahati Lukwebo était meilleur allié ici. On l'a lynché sérieusement encore par l'UDPS. Récemment, il s'est battu. C'était l'affairiste hier. Quand il n'a pas quelque chose... Parce que c'est un successeur potentiel. Hein. Ça dit qu'il ne faudrait pas que... On a même vu Jean-Marc Aboud s'attaquer au conseil spécial du chef de l'État. Oui, oui. Publiquement. Du peu, Jean-Marie, du peu. Il ne faut pas que... J'ai craint qu'on descende trop bas. Merci beaucoup. Joël Kadé, bon, Akajto a raison d'avoir épinglé aussi clairement, et les phrases sont claires, hein. L'Union sacrée prend en otage la République, le peuple d'abord, ce n'est qu'un slogan. Le communiqué publié aujourd'hui. Et je vais ajouter pour planter les décors, comme je l'ai fait pour Élisée Audiard, à Lubumbashi, le militant de l'IDPS qui était nommé commissaire en charge de tourisme et de transport, il a démissionné parce que lui voulait être aux mines. Et il a dit in extenso parce que... Il demande de retourner. Et aux dernières nouvelles, voilà. Il demande de retourner. Voilà. Est-ce que le peuple d'abord, c'est d'abord les mines d'abord ou c'est le servir d'abord? Je crois que je vais emprunter les mots à Bailengue lorsqu'il dit « je suis mal à l'aise ». Mal à l'aise, c'est lorsqu'on doit parler des individus au lieu on parle, de... On parle République, là. Oui. On parle de poste, on parle de Katumbi qui ne bloque pas, on parle d'Akaj. Là, on parle de République. Ce qui est vrai, Akaj a totalement raison. Nous avons 40 jours, Élisée en a compté, depuis que le Premier ministre avait été nommé. On attendait, et d'ailleurs, qu'il eût formé son gouvernement avant la rentrée parlementaire pour que les choses ne traînent plus. Parce qu'aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi a deux ennemis devant lui. Le premier ennemi, c'est le temps. Et le temps n'est pas. Mais l'IDPS, il dit qu'il n'y a pas le temps. D'ailleurs, il y a une proposition de Wakwenda qui veut que les parlementaires valident le débit effectif du mandat de Tshisekedi avec le gouvernement Samalou Kondé. Bon, moi, proposition claire sur Radio Okapi, hein, ce n'est pas un secret. Nous sommes dans une démocratie. Je ne sais pas, les uns peuvent avoir facilement. Pourquoi n'est pas n'importe la liberté. Continuez. Je peux continuer? Oui. Merci. Je ne vois pas pourquoi les uns peuvent avoir la liberté de s'exprimer sur leur tweet et que ceux de l'UDPS, lorsqu'ils peuvent donner leur point de vue, ça devient automatiquement le point de vue de Félix-Antoine Tshisekedi. Ou ça devient automatiquement le point de vue de l'UDPS. Je crois que nous sommes. Allez-y aujourd'hui sur le tweet de Kamitato. Il demande à Samalou Kondé, par exemple, si j'étais Samalou Kondé, j'aurais démissionné. Non, ce n'est pas Kamitato.
C'est pas lui. C'est un fake. Malheureusement. Heureusement. Donc, chacun doit avoir sa liberté d'expression. Je puis aujourd'hui me réveiller comme l'avait fait l'ancien vice-ministre à l'intérieur, de Basile Olongo, qui avait dit non, on va aller jusqu'en 2030. C'est son droit le plus légitime. Revenons à Cage. C'est sa liberté de s'exprimer ainsi. Non, c'est vous qui m'avez interrompu avec Wakwenda. Moi, je ne vois juste pas. Un apostrophe. Alors, je reviens pour dire ceci, que Félix Antoine Tshisekedi a deux ennemis. Le premier ennemi, c'est le temps. Le temps parce que il a joué très mal contre lui. Les deux premières années, avoir été bloqué, c'est réel. Peter a fait cet exposé par devant lui-même lorsqu'il nous a consultés. Et il a relevé les cas où Félix Antoine Tshisekedi était bloqué. Et ça, c'est vrai. Les deux membres du conseil d'administration, donc les deux conseils d'administration, aussi bien à la SNCC que à la GECAMINE, ont été notifiés une année après. Ça, c'est un secret de polichinelle. Les finances publiques, lorsque le gouvernement est entré en fonction, il avait bloqué les travaux de 100 jours. C'est connu et c'est lorsqu'on a commencé à arrêter les gens. L'argent était débloqué, on ne va pas y revenir, mais qui le bloque aujourd'hui? Ici, Peter a dit quelque chose. Malheureusement, il est en train un peu, il a frisé qui les bloque, la haute trahison en voulant démobiliser nos forces armées. C'est pas démobiliser, je salue. Non, s'il vous plaît. Il n'y a pas, allez parler, tenir ces mêmes discours là au camp Tchatchi, vous allez voir la réaction. Les moyens. Mais moi je vous dis que notre armée, oui, c'est une méconnaissance, c'est une ingratitude envers ces gens qui passent nuit dehors. Il y a plusieurs victoires mais dont on ne parle pas. Il plaide pour l'armée. Non, ce sont vos amis de la diaspora qui ne communiquent pas les réalisations du président de la République. Mais si l'on doit comptabiliser les réalisations dans deux ans, ce que Félix Antoine Tshisekedi a réalisé, c'est plus. Mais dans ce pays, aujourd'hui, vous pouvez partir de Tshikapa jusque dans le village de votre mère à Kamwecha sur une route asphaltée, M. Kassamba. Donc, laissez-moi revenir sur Arcage pour dire que Félix Antoine Tshisekedi a un ennemi. Le premier ennemi, c'est le temps. Le deuxième ennemi, c'est la misère de la population. Et pour résoudre cette misère de la population, il a besoin des hommes qui soient animés de l'amour de la patrie. Parce qu'il n'a pas besoin d'avoir des politiciens. Moi, je ne sais même pas pourquoi il a tenu qu'il y ait encore un gouvernement, il pouvait se choisir parmi les secrétaires généraux. Bien que notre administration publique ait été aussi politisée, ils pouvaient se choisir pendant cette période d'ici qu'ils engagent la responsabilité du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des politiciens viennent, que Bahati vous impose autant de ministères, qu'il vous en impose les contenus de ces ministères, que Jamar Kabound vienne, qu'il vous impose également les nombres de ministères, et qu'il vous en impose également les contenus de ces ministères, que Moïse Katumbi vienne. Qui est patron? C'est ce qui que a dit que désormais c'est moi la vision et tout le monde derrière moi. C'est pourquoi je dis ceci. C'est pourquoi je parle de Félix Antoine Tshisekedi, oui, comme institution. Je n'ai pas besoin de parler des individus. Je n'ai pas besoin de parler des individus. Donc il lui revient maintenant là de s'assumer comme chef de l'État, de s'assumer comme maître de la vision pour mettre en place un gouvernement qui devra être responsable devant l'Assemblée nationale afin qu'on sache à qui poser la question lorsque par exemple le pont sur la rivière Kassai s'est écroulé. Ça passe aujourd'hui 5 mois que ce pont s'est écroulé et il n'y a aucun mécanisme. Et c'est le pont sur la route nationale numéro 1. Qui est le président? Et pendant ce moment ici, les gens sont en train de mourir. Il est le président, je le dis. Oui. Mais il avait fallu qu'il y ait un ministre qui pouvait répondre. Qui peut arbitrer? C'est lui qui arbitre. Qui peut dire l'urgence est là-bas, allez faire? Jean-Marie Kassamba, c'est mon exemple que j'ai donné. Voudriez-vous laisser... Non, mais je pose pour mieux comprendre. Non, parce que là, vous perturbez mon... Non, je vous aide un tout petit peu. Allez-y. Non, vous ne m'aidez pas, par contre, vous me perturbez. Allez-y. J'ai dit ceci. Donc, il lui revient à lui de constater que le pont sur la rivière Kassai s'est écroulé. Et que chaque jour qui passe, ceux qui passent par de pirogues, chaque jour, on comptabilise au moins 5 morts sur la rivière Kassai. Et les diabolise en même temps. Malheureusement, on n'en parle pas. Et j'ai vu les gens s'en prendre, peut-être à Israël, Mutombo. C'est normal. Pour rien. C'est normal. Peut-être qu'il a exagéré. Il n'était que lanceur d'alerte. Parce que quand il n'y a pas de tôle chez nous, oui, on a habitué, vous ne pouvez pas dire aux amis qu'il manque de tôle chez nous lorsqu'il pleut, notre maison soigne. Peut-être que les propos par lui utilisés sont excessifs. Mais
La situation telle que l'on traverse maintenant, elle est difficile à supporter. Non seulement qu'il n'y a pas de courant, qu'il n'y a pas d'eau, et que... Mais quand Sam a dit qu'il n'y a pas d'urgence. On a maîtrisé le prix du carburant à la station. Nous l'achetons pendant plus de deux ans, c'est maîtrisé aussi. À 1950 francs congolais le litre. Je crois qu'il y a lieu que le président de la République comprenne qu'il a ses deux ennemis. Et face à ses deux ennemis, il peut s'en passer de ses politiciens. À Genève, il est parti, il n'a pas été bloqué, il est passé président de la République. Personne ne pensait pas qu'il allait passer président de la République, il allait réussir. Il a la destinée à main, je pense qu'il est temps qu'il puisse se passer des politiciens. Parce que vous savez, il faut faire la différence entre un homme d'État et un politicien. Un politicien voit 2023, tandis qu'un homme d'État voit les générations futures. Les générations futures, c'est un peu les jalons qu'il est en train de jeter. Par exemple, en termes de la réhabilitation de routes de dessertes agricoles. C'est par exemple le train, la SNCC qui vient d'avoir de nouvelles voitures. Ça, c'est un homme d'État qui réfléchit. Il ne voit pas. Mais vous pouvez aller à la SNCC. Ce sont des voitures sud-africaines qui ont été présentées. Non, ce ne sont pas des voitures qui ont été peintes, que vous nous avez montrées sur Télé 50 par Matata Pognon. Des vieilles voitures comme des vieux avions qui nous ont été. Maintenant, là. La flotte de Congo Airways en compte plus de 8. Les bus Transco, vous pouvez en compter. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler de ces réalisations, mais je dis ceci que Félix-Antoine Tshisekedi dit, il est temps qu'il puisse s'assumer en tant que président de la République. Parce que demain après-demain, on ne demandera pas de compte à Moïse Katumbi. D'ailleurs, il trouvera des raisons pour se justifier, étant donné qu'il est dans la course. On ne demandera pas de compte à Bahati, qui également est dans la course. On ne demandera pas de compte à Vuka Sambaou, à moi-même, ni non plus à Kabound. On demandera les comptes au président Félix-Antoine. Dernière question, pourquoi il est parti les chercher alors? Si lui seul il pouvait décider. Parce qu'il est parti chercher Bahati. D'ailleurs, il a cajolé dans le sens du poil en lui gratifiant d'un formateur. Ensuite, Katumbi Mbemba, chouchouté, deux dîners à l'Ancelé à la maison. Et tout le monde a plébiscité ce retour des enfants de Genève. Sans compter les FCC qui ont été cherchés aussi. Mais non, ils cherchent aussi les dividendes. C'est de bonnes guerres, non? Mais écoutez, on est en politique, on ne fait pas la politique nécessairement. Oui, mais vous pouvez dire qu'on peut se passer d'eux alors qu'on les a cajolés jusqu'à leur offrir du champagne sous les chapiteaux au grand hôtel là-bas. Ok, je réponds comme vous pour dire. En tout cas, Félix-Antoine Tshisekedi a vraiment cajolé Katumbi, a vraiment cajolé Mbemba. C'est tout ce que vous attendez? Non, je ne vous donnerai pas cette réponse, Jean-Marie Kassamba. Je dis bien ceci. Le processus du déboulonnement a commencé aux États-Unis d'Amérique. Et il s'est poursuivi jusqu'au 6 décembre, lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi a rompu son mariage avec Kabila. Et c'était sur la demande de tous ceux que Félix-Antoine Tshisekedi avait consultés. Dont Peter Tiani ici, qui a tellement insisté pour que ce mariage-là tombe. Et Félix-Antoine Tshisekedi a entendu le cri de tous ceux qu'il avait consultés. Et dans ceux qu'il devait consulter, il l'avait annoncé à l'avance. Il va consulter les forces représentatives possibles, parmi lesquelles il y a des leaders comme Bemba, il y a des leaders comme Moïse Katumbi, mais qui a refusé d'être Premier ministre. Mais à ce niveau, lorsque vous réalisez que vous avez des gens qui construisent des pesanteurs pour ne pas avancer, qu'est-ce que vous faites en tant que président de la République? De la même manière qu'il a pris son taureau par les cornes, je crois qu'il est temps qu'avant vraiment la fin de ce mois de mars, qu'il puisse se résoudre parce que le temps est contre lui. L'État est son ennemi. Ne vous répétez pas. Et donc, c'est juste pour vous dire que il ne les a pas cajolés, il les a consultés. Si vous vous rappelez, et d'ailleurs, ce n'est pas Félix, c'est pas parce que Félix-Antoine Tshisekedi l'a voulu. Mais je vous dis, s'il y a quelqu'un qui avait imposé Bahati pour être l'informateur ou qui l'a proposé et qui a insisté pour... C'est Jean-Marc Kabound sur qui on tire, sur qui tout le monde tire aujourd'hui. Dans les laboratoires de qui tout mais est préparé. Mais ça lui donne le droit, lui, de faire des gouvernements parallèles à imposer à Sam Al-Mogonde. Je crois qu'on est sur ce plateau, je ne vois pas un journaliste né hier. En tout cas, ce sont des chevronnés. Je ne vois pas quelqu'un qui puisse aussi présenter que Jamal Kabound. Il dirige un task parlementaire. C'est ce task qui avait travaillé la liste pour l'écroulement du bureau Mabunda. Et il y a eu des gens qui ont pris leur courage, qui ont brisé la glace. Notamment comme les jeunes Turcs Patrick Mouyaya et Jean-Pierre Liaou.
Mais comment voulez-vous qu'il ne puisse pas travailler dans ce cadre-là? Parce que le gouvernement... Donc il faut que Kabound, les impose au gouvernement. S'il vous plaît, même si le compte ne veut pas. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Oui. Ce n'est pas le gouvernement, c'est le reflet. Le gouvernement, c'est l'image de l'Assemblée nationale. Donc vous n'allez pas demander que c'est un gouvernement d'union nationale où on prendra des gens par rapport à leur poids politique des leaders. Mais c'est proportionnellement au poids qui est dans l'Assemblée nationale selon l'identification par Bahati Fett de la coalition au pouvoir. C'est ce qui doit être fait. Mais si c'était un poids politique... Que Kabound travaille sur ça avec ses collègues députés. Merci beaucoup. Où est le mal? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut que les paroles tournent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut que John Lungila parle quand même. Question directe, Monsieur Lungila. Est-ce que le ras-le-bol d'Akaj aujourd'hui, ce n'est pas ce que pensent beaucoup de gens, et qu'en réalité, ces politiciens qui ne veulent pas que le gouvernement soit publié demandent en droit à être rétribués, et qu'ils ont un peu, je dirais, la hantise de ce que Peter Chagne a dit tout à l'heure, de bouc émissaire. Parce que hier, c'était Caméré, le coach, il a Makala. Ensuite, l'FCC, on a mis en miettes. À peine Katumbi n'est pas encore installé ou ses oies ne sont pas installées, on les attaque déjà. Alors, tous ceux qui sont là, ils disent, voilà, à défaut d'être au gouvernement ou d'être dans des institutions, vaut mieux, comme disent les Quinois, namizuer l'avant. C'est ça qui fait peur, n'est-ce pas? Avant qu'on publie les communiqués. Enfin, le gouvernement. Jean-Marie, moi, je suis content de cette résurrection de Dakaj parce que ça fait résurrection. Un bon bout de temps. Oui, oui. Oui, silence radio, presque. Donc, je ne sais même pas s'il était au pays, il est revenu, mais j'espère que les retombées seront les mêmes. Un peu comme la résurrection du Christ, parce que le Christ est mort pour ressusciter afin de sauver les âmes. Oui, parce que tout le monde disait Akaj, ce n'est pas une action, parce qu'il faut bien comprendre Georges. Georges, quand il dit quelque chose, ça vient toujours de quelque part. Ah oui? C'est vrai, ça ne part jamais de lui. Ça ne part jamais de lui. C'est calculé. Oui, c'est calculé. C'est calculé. Même quand vous suivez, vous fuyez sur la création d'Akaj, les motivations sont ailleurs. Sont beaucoup plus politiques que défense des droits de l'homme, la justice. Parce que si vraiment... Si on réfléchit par l'absurde, vous allez garder la parole. On réfléchit par l'absurde. Est-ce que ça ne serait pas, je mets tout ça au conditionnel, ça ne serait pas Félix Tshisekedi lui-même qui dit à Akaj... Sortez les boucs émissaires Union Sacrée, c'est-à-dire tous ces gens qui sont venus vers moi, on pensait qu'ils étaient venus pour m'accompagner, mais ils ne m'accompagnent pas. Dites que c'est eux qui prennent le peuple en otage, comme ça, ça me donne les mains libres. Oui, pour, mais parce que vous avez suivi, Chani, vous avez suivi Joël Kadé. Ce sont les deux représentants qui ont été consultés par le chef de l'État. Mais vous avez constaté la contradiction entre les deux. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Parce que si je suis Peter Chagny, laissez-le parler, si je suis Joël Kadé, oui. C'est le reflet de... C'est le reflet de IDEPES, c'est le reflet d'ensemble. Mm. Ce n'est pas un péché. Mais vous constatez déjà, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a le regret. Il y a une déception à un certain niveau. Okay. Il y a le regret à un certain niveau. Mm. C'est comme si on n'aurait pas pu s'engager. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez vous assumer et aller jusqu'au bout de votre engagement. L'ensemble. Pour ne pas donner raison à Kabila. Je suis estomaqué d'attendre aujourd'hui Tchani donner raison à Kabila, dire laissez Kabila, laissez Kabila. Donné raison à Kabila. Il ne faudrait pas utiliser Kabila comme un argument pour justifier ce qui s'est passé. Non, 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 soyez tolérant. Non, non, faut pas gâcher le débat. Non, non, soyez tolérant. Faut pas gâcher le débat. Tu auras la parole, tu vas parler. Non, faut pas gâcher le débat. Non, non. Merci. Il est difficile de débattre avec toi. C'est comme ça le problème. Mais soyez tolérant, mais tu auras la parole, tu vas réagir. Mais soyez tolérant. Ce n'est pas ton temps de parole, s'il vous plaît. Non, 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 non. Ce n'est pas ton temps de parole. Je n'ai jamais donné la parole. C'est moi qui ai la parole, on t'a pas posé la parole. C'est moi qui ai la parole et soyez tolérant. Non, on ne peut pas débattre comme ça, on ne va pas débattre comme ça. Ne sois pas désordonné. Ne peux pas gâcher ces débats. Doucement. Oui, parce qu'il n'a pas la parole, il ne peut pas arracher la parole comme ça. Soyez vous l'avez votre parole, s'il vous plaît. Et donc, attendez. Et donc, Jean-Marie, c'est une question de gestion d'agenda. Ça veut dire que le président de la République a écouté des gens qui sont venus dans le cadre de l'Union Sacrée, mais chacun est venu avec son agenda. L'agenda de Jean-Pierre Bemba n'est pas le même avec celui de Katumbi. Idem de Bahati, et ainsi de suite. Mais il se pose un problème sérieux sur l'harmonisation. Comment harmoniser tous ces agendas? Le chef de l'État, après avoir consulté, nous avait dit, je vous ai entendu et j'ai compris vos préoccupations, je me fais à la coalition.
Il y a l'Union sacrée qui arrive. Nous sommes allés. Il y a eu, il faut reconnaître, beaucoup d'improvisation. Parce que le même Mbosso qui avait brandi voilà, un pancart pour dire « Ne touchez pas à Mabunda », c'est lui qui devient le président du bureau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup d'improvisations, beaucoup d'erreurs de parcours. Et c'est normal. Aujourd'hui, on compose le gouvernement. Mais pour composer ces gouvernements, il faut se référer à qui ? Il y a ensemble de Moïse Katumbi qui doit déléguer. 5 postes. Effectivement. Il y a l'IDEPES. 8 postes. Il y a l'UNC. 2 postes. Il y a Bahati Lukwebo. 5 postes. Mais vous constatez à qui Félix Tshisekedi a affaire. Et c'est là où le problème se pose. Parce qu'au départ, il n'y a pas eu une séance d'harmonisation. Mais pourquoi on ne parlait pas de postes juteux avant ? Pourquoi on dit que c'était pour la nation, c'était pour le bien collectif, le peuple, etc. Quand en réalité, aujourd'hui, eh ben, pomme du discorde, c'est les postes. Et les postes juteux. Le grand problème, Jean-Marie, le chef de l'État n'avait pas écouté les scientifiques ou les opérateurs économiques. C'était des acteurs politiques. Et un acteur politique qui a un parti politique a des ambitions, a des objectifs. Et un agenda surtout. Conquérir le pouvoir et exercer le pouvoir. Effectivement, Katumbi veut aussi être président de la République. Les autres ont les mêmes ambitions. C'est légitime. Et les chefs étaient censés comprendre cela. Mais aujourd'hui, il fait face à ces blocages parce qu'il y a en sourdine l'agenda 2023. Vous savez que le chef de l'État aussi, en 2023, il doit revenir. Et ceux qui sont censés l'accompagner ont aussi, autant que lui, les mêmes ambitions. Mais comment faire route ensemble avec des gens qui partagent les mêmes ambitions que vous? C'est là où le problème se pose. Il faut donner quoi? Il faut garder quoi pour éviter... voilà. Et c'est ça le problème. Donc, Akaj, c'est mission commandée? Non, moi, je ne crois pas. Moi, je pense que si Akaj parle, c'est un service commandé. Et je ne sais pas si ça vient de qui. D'ailleurs, il n'y a pas qu'Akaj. Nojek avait même demandé la démission de Lukonde. Déjà. Oui, parce qu'il est incapable de composer le gouvernement après 40 jours. Donc, c'est tout le monde qui parle. Le PPRD, le FCC de Kabila, a dit qu'il n'était pas concerné pour ce gouvernement. Pas intéressé. Vous apprenez, il n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale, où il y a des bruits sur une pétition contre le bureau, même au Sénat. Poser la question à Denis Kambay ce mardi, le mardi passé, il s'est tenu une réunion des sénateurs FCC cash, Mosaïque peut perdre, parce qu'il y a des préoccupations. Tout le monde veut être au gouvernement. En réalité, ceux qui ont combattu pour obtenir la chute, les déboulonnements, oui, en réalité, ils ne sont pas des bénéficiaires. D'autres bénéficiaires. Mbosso n'a pas combattu pour les déboulonnages, mais il est le bénéficiaire. Et aujourd'hui, quand vous écoutez Eliezer Tamboué, quand vous écoutez X ou Y, oui, c'est autour de la récompense. On veut la récompense. Mais comment récompenser tout le monde? Parce qu'il s'agit d'un gouvernement qui est censé travailler pour l'intérêt. Kabound, moi, je ne le condamne pas. Kabound, moi, je ne le condamne pas. En parrainant Mouya. Oui, aujourd'hui, moi, je préfère que Peter Tchani soit sincère. Hier, il a salué le courage de Kabound. Oui. On a dit un stratège, on semblait un peu négliger Kabound, mais on a compris que ce n'est pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, Kabound est resté dans la même logique. Ceux qui ont combattu, ceux qui ont mouillé le maillot pour déboulonner le FCC, afin que nous puissions voir la naissance de l'Union sacrée, ils méritent une récompense. Et si Kabound le rappelle, à qui, même si ça, il peut le faire, il peut le rappeler, aux deux, à Katumbi, même s'il peut le rappeler à devant le chef de l'État, oui, ce n'est pas un péché. C'est pas un crime de lèse-majesté. Alors, question, Mervé Blingué. Moi, je suis un peu gêné quand je pose cette question. Je posais cette question en demandant clairement. Pourquoi avoir dépensé autant d'énergie, autant de phrases, des colibés, voilà les termes, colibés, lorsqu'on savait pertinemment que les ministères de mines, pomme de discorde au Katanga, ministère de mines, pomme de discorde à Kinshasa, oui, lorsqu'on savait que les finances, c'est ça qui intéresse les gens. Or, entre-temps, pas de conseil des ministres, pas de contrat effectif signé, pas de moyens pour l'État, etc. Et aujourd'hui, les débats, c'est
on publie les gouvernements tout en gardant quand même l'œil sur ceux qui seront des opposants. En fait, moi, je vais m'exprimer en ces termes. Premièrement, avant de commencer, je présente solennellement, c'est trop dire, officiellement, des excuses à Joseph Kabila. Ah bon ? Oui. Expliquez-vous. Je m'explique. Vous savez, aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui étaient avec Kabila, qui sont avec Tshisekedi. Et qui le voient chanter. Même pas chanter, mais ce sont eux qui bloquent, en fait. Avant, on pointait du doigt Kabila. Et lui-même, à un moment, il s'est exprimé pour dire qu'il voilà, n'a pas plus de 13 collaborateurs. 15 collaborateurs. Et aujourd'hui, nous vivons la même chose. Regardez qui bloque le gouvernement. Ce sont les politiques, les gros poissons, les gros poissons. Les caïmans ex-FCC. Peter Tsian, il parle de Moïse Katumbi. Jean-Pierre Bemba. Voilà, Jean-Pierre Bemba, etc. Des gros poissons qui bloquent. Je n'aimerais pas être... Je n'aimerais pas être à la place de Sam Aloukonde maintenant et de Félix Tshisekedi. Parce que, regardez, ce sont les guerres des partis politiques, des regroupements politiques, l'AFDCA de l'autre côté, et Mbikaï de l'autre côté. Et donc, en fait, ce sont eux qui bloquent. Et le chef de l'État aujourd'hui est pris en otage. Donc, Akaj a raison. En effet, le chef de l'État est pris en otage. Vous savez que le chef de l'État ne peut pas faire sans l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, l'Assemblée nationale impose, notamment les députés qui ont combattu pour l'Union sacrée aujourd'hui, veulent faire partie du gouvernement. Ça pose un problème. Et Sam Aloukonde, il est là. Tout le monde critique Sam Aloukonde. Voilà, il occupe une suite de 85 000, etc. On doit faire des recherches. 8500, voilà. On doit chercher à Sam. Voilà, justement, là n'est pas le problème. Sam Aloukonde n'a pas de problème. Ben, si, il habite là, il n'a qu'à quitter. Sam Aloukonde n'a pas de problème. Oui. Les grands problèmes aujourd'hui, ce sont des politiciens. Les chefs des regroupements politiques. Ils ne se mettent pas d'accord. Entre eux, en tout cas, il y a des guéguerres. De l'autre côté, Mbikaï s'attaque. Pour le poste, Bahati répond et tout, et ça nous met en retard. Moi, en tout cas, si j'étais parlementaire, j'allais proposer une loi pour donner le pouvoir à la population en cas de problèmes, de blocages comme ça, de mettre dehors tous ces... Ça s'appelle les révolutions. Justement, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Regardez, aujourd'hui, nous avons un problème des courants, d'électricité. Peter Tian y a dit... De l'eau. Et qui n'a pas de courant chez lui. Moi également, chez moi, j'habite Massangambi, là, il n'y a pas de courant. En tout cas, je vois les courants à minuit. À 5 heures, quand je me réveille pour sortir. Alors que Inga est à côté. Voilà. Il n'y a pas de l'eau. Après la pluie, regardez le boulevard du 30 juin. Dernièrement, j'étais là. Mais ça m'a dit que ce n'est pas urgent. Il dit que ce n'est pas urgent. Non, c'est urgent. Vous savez, si aujourd'hui nous sommes bâtis pour mettre fin à la coalition FCC-CACH, c'est justement pour que la population se retrouve. Et pour que la population se retrouve, il faut que nous ayons un gouvernement. Alors, pourquoi vous présentez des excuses à Joseph Kabila? Je présente parce que hier on a critiqué Joseph Kabila, mais aujourd'hui, on constate que Félix Tshisekedi est pris dans le même piège. Félix Tshisekedi a la volonté, mais il n'arrive pas à travailler parce qu'il est pris en otage par les politiciens. Est-ce qu'il n'a pas peur de dissoudre cette assemblée pour ne plus avoir le contrôle? On ne peut pas se permettre cela parce que nous n'avons pas de moyens pour l'instant. S'il faut dissoudre les parlements, l'Assemblée nationale, il faut préparer l'argent pour organiser les élections dans les délais fixés par la Constitution. Mm-hmm. Il ne peut pas se permettre. Mais alors, il va faire comment alors? Non, mais justement, vous savez, pour l'instant, voilà pourquoi j'ai dit que Félix Tshisekedi n'a pas de choix. N'a pas de choix. Il ne peut que, voilà, se contenter de... Mais lorsqu'il dit lui-même que l'intérêt général est au-dessus des calculs politiques... C'est lui qui l'a dit. Non, mais il le dit, mais ici... Joël Kadé a dit tout à l'heure, il sera le seul comptable devant le peuple. Vous savez... Mais le comptable devant le peuple, il a aussi les calculs politiques de ceux qui l'ont aidé. Les non, G13, tous ceux qui ont justement, aidé c'est, à déboulonner. C'est ce qui est comment en... il va faire? Non, mais justement, c'est ce qui est en train de tuer le pays aujourd'hui. Voilà pourquoi les enseignants, certains enseignants ne sont pas payés. Il n'y a pas de conseil des ministres, comme vous l'avez dit. C'est justement à cause... de tous ces politiciens qui veulent coûte que les chefs de l'État fassent leur volonté. Et je suis contre cela. Moi, je parle au nom de la population. Je suis journaliste, je fais partie de la société civile et moi, je suis là pour parler au nom de la population. Voilà pourquoi je demande à tous les politiques, s'il vous plaît... De faire quoi? À tous les politiques de mettre
leurs intérêts de côté, de penser plutôt... Mais ça, c'est ce qui était dit avant. Ils n'écoutent pas. Non, 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 non. Ils n'écoutent pas, mais moi, je le fais, s'il vous plaît. Oui. Moi, je le fais et je dois continuer à le faire. Parce que si nous ne disons rien, ils risquent de croire que ce sont des maîtres qui sont là pour décider sur, le destin chanteur, de la population. Votre coup de gueule de début, apparemment, ça a parlé d'être persuadé, hein, des gens... Vous avez dit Akaj a raison, ils sont revenus. Mais non, je crois qu'il est, cohérent dans ses propos, dans ce qu'il a dit. Dire que le pays a été pris en otage, c'est quelque chose de réel, on le voit, on le constate. Mais pourquoi il ne vit pas en Union sacrée? Le peuple d'abord, ce n'était qu'un slogan et aujourd'hui le peuple ne se retrouve pas. Bon, là c'est peut-être les mots d'Akaj, il utilise, il a vu, il a constaté, un peu comme nous on est en train de le faire. Je reviens sur ce que Joël Kadé a dit. Deux choses, l'ennemi de Félix Tshisekedi, c'est le temps. C'est également la misère. Mais moi, je reviendrai pour dire, par exemple, l'ennemi de Félix Tshisekedi, c'est sa famille politique aussi. Il dépêche. Mais également, c'est lui-même. Personne n'a demandé à Félix Tshisekedi, d'abord dans les deux premières années, de nouer une coalition avec le FCC. C'est lui-même qui a dit, c'était de bonne foi. Au regard, donc il devait s'assumer. C'est son propre ennemi, donc on doit assumer les deux ans. Tu as dit, j'avais pris, je décidais de faire la coalition parce que je n'avais pas. Et c'était quand même des raisons valables. Mais personne ne l'a forcé, personne ne l'a poussé. Et il a accepté parce qu'il savait que peut-être que ça allait marcher et ça n'a pas marché. Mais il ne faut pas qu'on rejette la faute à l'autre. Deuxièmement, je dis à sa famille politique, pourquoi? Vous avez UDPS qui est sorti des élections avec un président de la République, mais sans une majorité. Mais c'est la même UDPS aujourd'hui qui veut rafler tout. Oui, poste. Mais je ne parle même pas des postes, c'est-à-dire, vous avez vu ce qui s'est passé à la présidence, il y avait UDPS et UNC, mais ça ne marchait toujours pas parce que c'est l'UDPS qui voulait toujours avoir la part de Lyon. Ce qui se passe dans cette famille politique, je suis désolée de le dire, mais il faut un moment qu'on le dise. C'est-à-dire, dans l'UDPS, on pense que tout le monde, tout le reste sont mauvais. C'est nous qui sommes bons. Et comme par exemple... Là, on ne peut pas aller comme ça. Élisée Wodia, le jeune Éric Ngindou, on lui a donné aussi 48 heures par les gens de l'UDPS pour si vous voulez, alors qu'il n'a même pas embauché les Camerounais comme... C'est ça le problème. C'est-à-dire, on est... l'UDPS pour moi aujourd'hui, je dis ça parce que j'en sais quelque chose aussi par rapport à ce que j'ai fait comme analyse et constat. C'est-à-dire, tout ce que les autres font, c'est toujours mauvais. C'est-à-dire, il y a des bons qu'à l'UDPS. Mais on se rend compte que cette UDPS-là n'a pas réussi à avoir la majorité. Donc, il faut également que dans la famille du chef de l'État, qu'on arrive à faire des concessions. Il y a des Congolais, des grandes qualités... partout. Si vous voulez gérer seul, attendez peut-être 2023, quand vous aurez la majorité absolue. Et ça, il ne faut pas qu'on se leurre, ça bloque énormément la machine. Et ça met d'ailleurs le président en difficulté. On se retrouve avec l'UDPS à sa tête, Jean-Marc Kabounde, qui a ses poules-là, qui l'encadre. Vous avez de l'autre côté... toujours à la présidence, Yezouki Tengue, qui est également Sipoula. Vous avez Ensemble qui est là. Le président doit gérer tout ce monde-là. Et moi, j'ai toujours dit, ça pouvait être facile pour Félix Tshisekedi d'avoir un seul interlocuteur. Joseph Kabila. parce que là, ils sont avec 6-7 interlocuteurs. Comment faire? C'est pas parce que, voilà, il est fort, il est bien, il est... Non, parce que là, au moins, on savait qu'il y avait une majorité compacte. On peut aujourd'hui détester, dire qu'il n'y a plus de mot d'ordre, mais apparemment, le mot d'ordre, ça fonctionnait. Parce que quand il y avait un blocage au niveau de l'Assemblée, les deux autorités se rencontraient et ils dégageaient la solution. Et on puis, avançait. Ils impulsaient au niveau de leur base... et on décomptait la solution. Aujourd'hui. Maintenant, on est en face des électrons libres. C'est-à-dire, vous avez d'un côté des même députés... Même la Cour là, voilà. Vous défendus. Avez d'un côté... Vous avez, par exemple, c'est un broglio créé où vous avez FCC majorité, opposition, FCC résistant, opposition, mais Union mais, sacrée... Mais ce n'est pas un secret, Élisée Wodia. Une réunion avant-hier s'est tenue au palais, enfin, au palais du peuple, pour ne rien que l'ordre du jour.
Mais justement, parce qu'on s'est rendu compte de la difficulté qu'on avait au niveau maintenant des groupes parlementaires. Alors, c'est-à-dire, quand on allait, parce que je crois que sur ce plateau, sur un autre plateau, j'ai quand même eu à décrier cette interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'était pas ce qu'il fallait faire, même s'il fallait déboulonner les systèmes, il fallait quand même sauvegarder, respecter le texte. Mais aujourd'hui, moi, je voulais dire, l'ennemi de Félix Tshisekedi, c'est lui-même, parce que personne ne lui a demandé de faire de s'attacher à Joseph Kabila. Personne ne lui a demandé aujourd'hui de s'attacher, de faire l'union sacrée. Oui. Et autre chose, mais également, je reviens, j'insiste sur la famille présidentielle, UDPS. La famille UDPS. Glouton. Ils doivent, pas seulement Glouton, mais franchement, ils doivent se remettre en cause. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas réussi à faire 40 députés, essayez de revoir vos ambitions à la baisse. Quand vous avez besoin d'autres personnes pour gérer, n'essayez pas de jouer au plus dur. À un certain moment, essayez d'être conséquent quand même, de respecter quand même le partenaire et de ne pas croire. Parce que là, Peter l'a dit, oui. Depuis 2 ans, 3 ans, depuis que le président Félix est au pouvoir, la faute, c'est toujours aux autres. Jamais l'UDPS n'arrive à s'assumer. Alors que ce n'est pas une faiblesse. Moi, c'est ce que j'aimerais dire aux gens de l'UDPS. Ce n'est pas une faiblesse que de dire que, ben, écoutez, on a mal géré ce côté-là. On n'a pas bien fait, réajustons les tirs, essayons d'arranger là où ça n'a pas marché pour qu'on puisse avancer. Autre chose, à la création de l'Union sacrée. On n'a pas bien défini les bases de cette union sacrée. Moi, je me rappelle. Il n'y a pas de charte. Mais c'est ce que je disais pas. Il n'y a pas de charte. Et je ne sais pas pourquoi, à certains moments, Ensemble a lâché du lest. Et pourtant, c'était ça. Il venait avec un cahier des charges. Ensemble. Ensemble disait, et ça c'était le premier couac, et Ensemble MLC disait ceci, avant de s'engager, mettons Ensemble, c'est quoi les priorités ? John Lungi l'a dit, chacun est venu à son agenda, avec son agenda. On n'aurait pas eu ce problème si on avait un agenda commun, c'est-à-dire un cahier de charges. Mais ce n'était pas fait exprès par lui-même. Ça, je ne sais pas. Tout ce que moi, je sais. Il voulait que tout le monde s'aligne d'abord. Je peux en dire autant. Moi, je dis, ceux qui ont porté cette proposition, c'était Ensemble et je crois aussi, dans une moindre mesure, le MLC. On aurait dû s'en tenir à ça. Pourquoi ? Moi, je voulais dire quelque chose. Le FCC Cash a connu un problème. D'ailleurs, on commence par le cash. Vous savez, quand l'UNC a voulu demander à ce qu'on puisse structurer, il y a eu une résistance. De la part de l'UDPS. De la part de l'UDPS. Moi, je crois. Mais alors, on ne peut pas diriger, on ne peut pas être sans le texte. On doit travailler sur base de texte. Aujourd'hui, on est en train de colmater ça et là parce qu'on n'a pas un agenda, parce qu'on n'a pas un texte. Qu'est-ce qu'on va brandir officiellement ? On va dire sur base de quoi on va donner 5 à l'UNC, 5 à Ensemble, 8 à l'UDPS. On n'en a pas. On nous parle de task force qui regroupe de tout ce monde qui ont concouru à la défenestration du bureau Mabunda. Mais qu'en est-il des autres qui sont venus pour appuyer? Qui ont accepté. Donc il fallait mettre en place, et c'est ça le préalable. Je crois que quand le début est biaisé, le reste c'est... ce constat de en retard de Dakage, oui. Parce qu'on se dit il fallait pas attendre 45 jours pour arriver à cette conclusion. Complété par cette actualité un peu choquante quand même. On aurait orchestré la congolité pour préparer déjà les ennemis en moins en 2023. On aurait orchestrer le recensement pour préparer les glissements, et on aurait préparé Mbikaï, Steve de son prénom, pour déjà circonscrire une candidature unique en 2023. Est-ce que pendant tout ce temps, on se pose les vraies questions de Peter Chani tout à l'heure ? Merci Jean-Marc Cassini. Congolité, recensement. Première petite mise au point, je voudrais rappeler à mon ami John Longuila, on vient pour parler de débat et idées, pas s'attaquer aux individus, parce que quand vous allez le faire, Peter va réagir et vous allez abîmer l'émission. Deuxième petite mise au point, c'est je connais, autant que je connais Kabound depuis plusieurs années,
Je connais Kapiamba George. Donc, la défense des droits de l'homme, c'est sa passion d'enfance. Je dis bien d'enfance. Lui, comme Jean-Claude Katende, ils ont commencé à défendre les étudiants étant depuis Lubumbashi à l'université. Depuis Lubumbashi. Et on a fini l'université. Ils ont embrassé ensemble avec les autres, celui qui milite pour la CENI ici, avec Golden Misabiko, Paul Sapou. Ils se sont engagés. Et si nous, là, Joël Kadendanga, personnellement, je suis vivant, c'est en tout cas grâce à l'apport de ces gens depuis le campus de l'université de Lubumbashi. Donc, je ne crois pas que... Les soutiens apportés. À la base... Les soutiens apportés, on a compris. Oui, avancez. À la base, que ça ait été pour des motifs politiciens. Ça, je puis vous le rassurer. Écoutez, j'aimerais... Trois points. Je vais parler en... Ne fouillez pas. Non, je ne vais rien fuir. Vous avez vu que sur ce plateau... Je fournis. Élisée Odevoudi, IDPS n'a jamais tort. IDPS est spécialiste pour insulter les autres. Écoutez, c'est toujours les autres qui ont tort. Écoutez, dans la vie, ça a été fait ainsi. La vie, je suis le meilleur, les autres. Le diable, l'enfer, c'est l'autre. Donc, ce sont des théories élaborées. Élisée Odevoudi, c'est une grande journaliste instruite qui a appris également, comme moi. Sans se remettre en cause, monsieur. Non, on peut se remettre en cause, oui. Mais écoutez, c'est par rapport à la remise en cause qu'il y a eu le déboulonnement. C'est par rapport à la remise en cause que vous avez vu, il y a l'Union sacrée pour la nation. C'est en se remettant en cause. Mm. Si Félix-Antoine Tshisekedi ne s'était pas remis en cause, bon, le blocage continuerait. Et aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais l'ombre de Kabila planerait toujours sur ce pays, dans son avancement comme dans son évolution. Donc ça, vous n'allez pas vous leurrer pour dire qu'aujourd'hui, Kabila n'influe pas sur la vie politique congolaise. Il est encore là, son ombre perturbe encore et empêche l'évolution de beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, au Katanga, l'insécurité. Vous avez 5 leaders qui habitent la même ville. Je voudrais fermer cette parenthèse pour revenir sur la congolité. Écoutez, Jean-Marie Kassamba, dès l'entame de cette émission, je dis que la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de penser, c'est consacré dans notre Constitution et par la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne peut pas empêcher Mbikaï de réfléchir à sa manière. On ne peut pas empêcher que Tchani puisse réfléchir à sa manière. On ne peut pas empêcher qui d'autre vous avez cité. On ne peut pas empêcher Wakwenda et tout consort de réfléchir ou de mettre leur point de vue. C'est leur point de vue. Et qui va dans quel sens? Je vous dis qu'en politique, on ne se fait pas de cadeaux. On ne se fait pas de cadeaux. Qu'il s'agisse de la politique menée en France, vous avez vu le coup qui a été mené contre Dominique Strauss-Kahn. Je me rappelle, vous étiez encore, d'ailleurs pendant cette période-là, vous étiez à Paris, nous avons parlé, moi et vous. Donc vous avez vu le coup que François Hollande a fait contre son challenger. C'est ça, donc c'est normal que Félix Tshisekedi, à cet instant ici, en tant que politique, en qui tant que politicien... Les coups aussi. Mais écoutez, ce n'est refusé à personne. Même Moïse Katumbi, là où également il est assis. Donc il doit se préparer. Je participe dans beaucoup de secrets, de sources communes avec Peter Tiani. Mm. Il sait qu'on est arrivé quelque part, on dit exactement aussi Moïse se prépare pour 2023. Donc vous n'allez pas empêcher à un acteur politique de réfléchir sur son devenir politique demain. Donc vous n'allez pas non plus demander à Mbemba que vraiment vous êtes totalement enterré de ne pas réfléchir. S'il trouve que je ne peux m'appuyer que sur l'église catholique, sur mon cousin Ambongo, pour me préparer en 2023, en tout cas c'est de la bonne le guerre. Le peuple dans tout ça. Et là, on est... vous m'avez posé la question sur les individus, sur la pensée. Mais maintenant, par rapport au peuple, je voudrais y revenir. Je vous ai dit ceci, un théorème scientifique qui dit « Un homme d'État réfléchit aux générations futures. » Mais les politiciens réfléchissent, surtout les politiciens congolais. Mm. C'est ainsi que vous, quand vous le voyez, il quitte le pouvoir. Hier, vous pouviez entrer dans son bureau, il vous sort de son tiroir. 50 000 $, 100 000 $, il vous donne. Et quand il quitte le pouvoir, il est incapable même de vous payer un coca. Vous avez l'expérience mieux que moi parce que vous avez fréquenté ceux d'ailleurs qui avaient beaucoup de moyens. Parenthèse fermée, pour vous dire que c'est normal que les gens réfléchissent, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis pourquoi d'Amérique. Vous excusez les impairs, vous excusez les rendez-vous manqués. Quand vous allez écouter Peter Chang tout à l'heure, il va vous dire que le peuple souffre, il souffre amèrement. Il souffre amèrement et pendant ces temps-là. Mais Élisée Odi l'a dit tout à l'heure, on n'a pas forcé Félix Tshisekedi d'aller signer en Bouéla Lodge ses partenariats Kabound
et Mouelaigne malheureusement pour gérer. On malheureusement, j'étais sur le premier terme de la congolité. Si je devais répondre, je n'ai pas la congolité parce que vous allez toujours nous dire non, s'il vous plaît, les gens s'exprimer. Non. Moi, je reste scientifique. On dit que ce coup-là de Noël Tchani, américain de sa nationalité, c'est orienté et c'est boutiqué. Écoutez, je vous parle en tant que scientifique. Là, je parle comme politologue. Et je vous dis qu'en politique, il n'y a pas de cadeau qu'on se fait. Que ce soit aux États-Unis d'Amérique, parce qu'on peut croire que c'est ici. Je ne justifie rien. Je vous dis que même aux États-Unis d'Amérique, les élections en cours ici, que ce soit d'abord au sein du parti politique, les démocrates, les coups se préparent. J'ai un vieux, paix à son âme, Honorius Kissimango, il m'a dit, jeune frère, tu embrasses, tu as fait la politique comme science et je te vois venir en politique. Quand tu vas t'y engager, engage-toi non seulement à donner les coups, mais accepte aussi d'en recevoir. C'est ça la politique. Donc vous n'allez pas demander à Tshisekedi d'être là un enfant de cœur sans réfléchir sur son devenir politique. Alors ne diabolisez pas Katumbi. Non, s'il vous plaît. Vous n'allez pas non plus aussi demander à Katumbi. Autant que je reconnais à Félix-Antoine Tshisekedi de réfléchir sur son devenir politique, autant je ne peux pas en empêcher à Nazem Nazembe, je ne peux pas en empêcher à que Vital Kamerhe, même en prison, de réfléchir sur son devenir politique. C'est-à-dire chacun a dans son coin réfléchi. Mais maintenant, tout le monde même a si réfléchi. La congolité s'il vous plaît, laissez-moi danger. Finir, Jean-Marie même Kassama, si la congolité présente un danger. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassama, laissez-moi terminer mon idée. Donc, si ils réfléchissent et qu'ils peuvent monter les laboratoires scientifiques ou politiques par rapport à l'élimination de tel ou tel autre candidat, tel ou tel autre concurrent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez, on dit non, Félix Tshisekedi, 2023. Donc, on crée une psychose dans son chef. Je voudrais revenir un peu sur ce que Odia a dit tantôt. Écoutez, le contexte tel que placé, Kabila a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Il a toutes les provinces entre ses mains. Il a l'arme, le contrôle et de l'armée et des services de renseignement. Je ne sais pas d'une manière tactique. Qu'est-ce que Tshisekedi pouvait faire? Kabila était une sorte, comme on présente, pratiquement comme un kamikaze bourré d'explosifs avec qui il ne fallait pas engager un combat corps à corps. Donc il fallait utiliser les astuces stratégiques et de sagesse pour déboulonner sans que le sang ne coule. Parce que vous avez un kamikaze devant vous, vous ne négociez pas avec lui. Mais écoutez, il vous dit, j'explose. Et vous, et l'environnement, et l'entourage, on meurt tous. C'est pour revenir sur la congolité et vous dire, c'est normal qu'on réfléchisse. Et c'est partout, que ce soit en France aujourd'hui. Aujourd'hui, Sarkozy était candidat potentiel pour revenir en 2022, je crois. Mais vous avez vu toutes les peaux de banane qui lui ont été jetées sur sa route et il est en prison. Il est condamné. Mais ça, c'est en politique, c'est partout. C'est ainsi que nous disons, nous insistons sur Tshisekedi maintenant. Chacun peut avoir les calculs, chacun peut avoir son agenda. Comme l'a dit mon ami Lungila, chacun peut avoir son agenda. Mais ici, les comptables de cette mandature, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, les garants de la vie ou de l'État congolais, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ainsi que nous lui disons, par exemple, aujourd'hui, par exemple, vous allez à Mitendi, vous allez voir qu'il y a des érosions qui sont en train de menacer. Les gens meurent, les routes tombent. Mon collègue dit tantôt ici, Vaelenge, qu'il n'a pas de courant chez lui. Il n'a pas d'électricité chez lui. Seulement lui, beaucoup. Mais partout. Donc c'est juste pour dire que, pour l'instant là, qu'il réfléchisse sur comment résoudre les deux problèmes. On peut ajouter les ennemis des pères et consorts. On connaît comment est l'homme politique congolais. C'est ainsi que l'homme politique congolais, tout ce qu'il lui faut, c'est un formatage. Ce formatage ici ne concerne pas seulement l'homme politique congolais, même celui qui est sur la rue. Voyez ce qui se passe sur nos routes. J'étais derrière la voiture d'Élisée Oudia. Mais il y a quelqu'un qui venait en sens inverse pour le cogner, pour la cogner. Elle a même paniqué. Donc c'est juste pour vous dire que les Congolais aujourd'hui a besoin d'un formatage total. Merci intégral. Beaucoup. Puis, et maintenant, laissez-moi chuter. Pour juste vous dire ceci, oui. Que chacun dans son coin réfléchit. Alors on ne peut pas demander, interdire à Tshisekedi de réfléchir. Katumbi réfléchit, Bemba réfléchit avec l'église catholique. Même Katumbi a invité l'église catholique chez lui pour préparer à se préparer en conséquence. Donc nous avons été à la ferme Futuka. Il y a un ambassadeur qui y a été. Donc chacun fait sa pré-campagne et c'est de bonnes
guerre. Mais quand on décide de se mettre ensemble, on cherche à avoir un agenda commun. Voilà. Oui, quand on cherche maintenant l'agenda quand commun... Quand on décide d'être dans l'union sacrée, on met un agenda commun. L'idéal maintenant, l'agenda commun devrait concerner la population. Qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps? Pendant les deux mois ici, qu'est-ce qu'on fait pour notre population? Bah et oui, c'est là où nous interpellons le président de la République. C'est pourquoi mon étude ou mon intervention reste scientifique. Donc je dis c'est normal que chacun prépare son agenda, mais il faudrait qu'on pense aujourd'hui au manque du courant, qu'on pense aujourd'hui à la communauté de Mitendi, qu'on pense aujourd'hui à Chikapa qui dont les gens meurent chaque jour sous la rivière Kassai, qu'on pense aujourd'hui à Yolo. Yolo est empoisonné et pratiquement entouré aujourd'hui. Merci on ne peut pas sortir de Yolo. Peter toutes les routes sont détruites. Peter Chani, c'est pas monologue. Peter Chani. D'accord. Joël Cadet est généraliste. Il est en train de tout expliquer, de tout faire comprendre. Que c'est des bonnes guerres, qu'il y ait des calculs, etc. Mais est-ce que, voilà, j'ai dit trois fois, est-ce que, la difficulté des Félix Tshisekedi, ce n'est pas de penser 2023, continuité de son mandat, que de fabriquer le bilan qui pourra plaider en sa cause, en sa faveur. Vous m'arrachez mes réponses, Jean-Marie. Allez-y, je vous laisse parler. Je veux dire, Joël Cadet est tellement brillant que quand tu l'entends, il joue au pédagogue. Et dans sa manière de communiquer, il nous a emballé, ça j'aime. Mais je vous ai quand même pris à témoin. John m'a cité 5 fois. Oui, mais ne revenez mais pas. Mais je ne veux pas y revenir. Ne revenez pas. Non, je voulais seulement préciser à John. Oui. De nature, je suis sportif. Et chez nous, on dit, quand tu veux frapper, tu dois aussi avoir la capacité d'encaisser. Tu vois, aujourd'hui, tu t'es plaint. Restez dans le débat. Mais tu as attaqué. Restez dans mais le débat. Je ne vais pas t'attaquer. Comme j'avais promis à Jean-Marie que je ne veux pas... Surtout ceux qui nous suivent. Je te pardonne. On veut pas mais seulement pour cette fois-ci. On ne veut pas de tweets. Si prochainement tu oses... On ne veut pas de tweets. C'est ton problème. Répondez à Joël Cadet. Je commence par... Non, tu ne peux pas demander pardon à Kabila. Kabila gérait 18 ans. C'est mon avis. Il nous a... Oui, je réagis. Je donne tolérance. Aussi mon avis. Je donne aussi mon avis. Tolérance. C'est ça la beauté de la démocratie. Donnez le vôtre. Donnez votre avis. Donnez votre avis. Tu as dit pardon, mais moi je dis tu ne peux pas dire pardon parce que Kabila gérait 18 ans. Mm-hmm. Il nous a laissé dans une situation. C'est catastrophe. J'ai seulement dit mais vous avez dit tout à l'heure qu'on vit mieux qu'à l'époque de Kabila. J'ai seulement dit aujourd'hui, c'est la catastrophe. Oui. C'est ça l'honnêteté, Jean-Marie. Oui. Moi, j'ai combattu Kabila. Dans mon métier. Oui, moi, je suis un journaliste engagé. Je m'assume. Norbert Zongo. Non, allez-y. Je n'invente pas. Je n'invente rien. Allez-y. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ben Badis en Algérie. Il y en a beaucoup. Mais seulement, quand ce qui se fait aujourd'hui avec Kaboun des consorts est pire qu'il s'est passé à l'ère Kabila, ou pareil. Vraiment, est-ce que tu ne veux pas que je le dise? Je dois dire, comme j'ai parlé de Kabila, je dois seulement graffer Kabila. Non, félicitations avancées. Et répondez à Joël Cadet. Ça veut dire, c'est pour te dire, John, moi je ne reste pas figé pour dire aujourd'hui Kabila, pendant que même le président, quand il a fait son discours de 6 minutes, il a dit qu'il avait tout rompu, il avait tout pris en main et que le travail commençait. Ce travail ne commence pas. 4 millions de dollars qu'on a donné pour Munga Fula, qui mouine Zaba Erosion. Mbongo vient d'en parler. Cet argent-là, est-ce que Kabila est venu arracher ça? Ou Vital Kamerhe? Ou Moïse Katumbi? Qui a pris cet argent? Parce que les érosions à Kindele, à 7 kilomètres, 4 millions, à qui mouine Zaba Munga Fula, ça pose problème. Moi, ça me gêne. Congolité, Jean-Marie. Bon. Est-ce que Katumbi est le seul à avoir la nationalité étrangère ou d'avoir un parent non, moi je ne veux. Qui serait étranger pour je en faire... Mais il y a beaucoup de membres du diaspora, excusez-moi du peu, qui ont des nationalités, qui travaillent dans les institutions. On a des Français, des Belges ici. Oui, bon. Naturellement. C'est pas possible. Et pourquoi on veut seulement parler veux... non, Chani lui-même est américain. Non, voilà, c'est là que je ne suis pas d'accord avec mon parrain Joël Cadet. Oui. Félix Tshisekedi ne doit pas penser comment mettre des gens de côté en 2023. Oui. Non. Ces pratiques hier déplorées, Félix ne peut pas faire ça aujourd'hui. Félix doit avoir un bilan qui va faire de lui président. Il n'a pas besoin dans une salle de classe. Mais pourquoi il valide toutes ces astuces il n'a pas besoin. Il est dans une salle de classe. Celui-là est très intelligent. La politique, ce n'est pas réfléchir pour tuer celui-là pour que moi je sois président. C'est plus travailler, plus étudier pour être premier de la classe. Mais pourquoi Félix, si Félix a un bilan, parce que c'est lui qui est aux commandes, il donne de l'eau. Il donne de l'électricité. Il change la situation de l'Est. Il est parti favori. Mais pourquoi Félix doit réfléchir? Parce que quand j'entends ce que John dit, je comprends qu'il y a un coup qui se prépare contre Katumbi. Les adversaires. Donc Moïse Katumbi. Oui. Et on a l'information. J'ai d'ailleurs lu un des brillants journalistes pour qui moi j'ai beaucoup d'estime. Il s'appelle Innocent Linga. Mm. Avec Scoop RDC. Mm. Il a toujours des Il est toujours un peu informé. Hein? Il a, oui, oui. Avant les il autres. Dit dans son article. Dans son papier, oui.
que Kabound et Kitengeyezu ont utilisé Nolichani pour lancer ses ballons d'essai pour la course, pour mettre Katumi en course. Mais, réfléchissons, Jean-Marie, le problème, j'ai suivi même Delice Sanga, il a été trop fort avec Nolichani. Il a dit que c'est de l'ignorance triplée de l'irresponsabilité. Mais on a eu des sérieux problèmes avec cette question de nationalité au Congo aujourd'hui. La nationalité devait être un droit. Aujourd'hui même, les juristes et les grands juristes se battent pour que... Mais le président lui-même a fait un discours qu'on doit y revenir, double nationalité active, oui, etc. Parce que, à l'Assemblée devant le Parlement. Parce que cette question de double nationalité, moi je suis pour la double nationalité. Alors pourquoi on réduit ça? J'épouse d'ailleurs l'idée de Fayulu qui pour lui, bon, il accepte la double nationalité, sauf le Rwanda avec le Rwanda. Si j'ai une nationalité rwandaise, là il refusait. Ça c'était Fayulu à l'époque. Mais moi je suis tout à fait d'accord que nous avons... Si tu es congolais, parce qu'il y a... La question de nationalité, c'est le Youssou Sangui et le Youssou Soli. Ça veut dire que la nationalité s'acquiert, comme chez nous ici par le sang. Si tu as un parent congolais, soit papa, soit maman. Aux États-Unis, c'est le Youssou Soli, c'est par le sol. Ce qui fait que... Ça, c'est un débat rétrograde, excusez-moi, de Noël Tchani, dépassé. On a eu Obama aux États-Unis d'Amérique. On a eu Sarkozy en France. Oui. Les gens qui détruisent le pays aujourd'hui, ne sont-ils pas de père et de mère congolais? Et que fait-on? Mais pourquoi Katumbi ferait autant peur? Voilà, non, c'est ça la grande question. Ça veut dire, comme je l'ai dit, utiliser ça. Noël Tchani lui-même qui parle, il est américain. Il a des enfants américains. Il a donc eu ses enfants, on ne peut pas postuler. Il a eu des problèmes avec sa femme. Oui, mais ça, c'est public. Parce que, oui, mais c'est public parce qu'on l'a publié. Mais ça, c'était public. Parce qu'il prenait l'argent des frais de vacances pour utiliser le business class et sa femme l'a traîné en justice pour ça. Moi, j'ai l'impression qu'on dirait Noël Tchani a des problèmes psychologiques. Il doit trouver. Il veut être gouverneur de la Banque Centrale. Oui, il doit trouver un psychologue. Parce que le fait de vouloir être gouverneur de la Banque Centrale, tu ne peux pas cracher. Le ministre des Finances. Le problème de la nationalité des Congolais, il ne faut pas. Tu as Youssoufa qui est un père congolais, une mère sénégalaise. Mmh. Tu as les enfants de Martin Fayulu. Mmh. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a hérité du combat de son père. Mais l'enfant de Martin Fayulu, aussi. Martin Fayulu a épousé une Camerounaise. Mes enfants aussi. Oui. Alors, moi, si j'épouse une étrangère, mes enfants ne peuvent jamais devenir président. Ça, c'est archaïque. Ça veut dire que tout Congolais doit se marier, doit prendre en mariage à une Congolaise. Que de Congolais. Que de Congolais. On est où? Regardez-moi une réflexion comme ça, bidon, excusez-moi du terme. Et puis un professeur. Et c'est pour plaire au président Tshisekedi ou c'est pour préparer, comme dit Joël Kadé, C'est seulement au Congo qu'un professeur d'économie peut être un spécialiste des questions juridiques. Parce que c'est. On a des problèmes économiques sérieux ici. On a un problème, on dit aujourd'hui, le terme m'a échappé. Quand l'État est presque en faillite, la récession, je crois, le terme. On dit ça, cessation de paiement. Cessation de paiement. Oui. Au lieu d'avoir des think tanks où vous créez des idées pour que le gouvernement prenne des idées, pour qu'on avance, en tant qu'économiste, vous êtes là à la maison, vous dites... Congolité. Mais mon avis, cette affaire en Côte d'Ivoire qui a fait des morts, des problèmes. Et c'est là même. Et Ouattara a gagné finalement parce que les Ivoiriens. Parce que Jean-Marie Kassamba, oui. L'avenir est le domaine de Dieu. Si je demain Katumbi devient président. Joseph Kabila a tout fait. Il a même eu un dauphin. C'est Félix Tshisekedi qui s'est retrouvé président de la République. On a tout fait avec l'ivoirité pour mettre Ouattara de côté. C'est Ouattara qui s'est retrouvé président. Gbagbo s'est retrouvé en prison. Si, dans le plan de Dieu, en 2023, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui sera président après les élections, le président de la République peut avoir des gens autour de lui qui peuvent manigancer des choses. Ils peuvent tout le coup. Tout. Ils vont aller droit. Les gens qui nous mettent des barrières dans la vie, nous qui sommes en Christ, ces barrières-là deviennent des escaliers. Vous devenez spirituel, Peter Kane. Ça veut dire que dans la vie, lorsque vous calculez, vos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Félix Tshisekedi doit être entouré des gens qui doivent calculer nation. La situation du Congolais, qui doivent savoir que doit-on faire aujourd'hui pour que. On a chassé les gens à Zando, on a interdit les gens qui vendent des sachets. Maya au pire. Mais Bana, on a battu au pire. C'est pas pour le simple plaisir, Jean-Marie, c'est parce qu'il manque. Il manque. Mais alors, juste une question. J'ai parlé des militaires ici, je l'ai dit de la démobilisation. Oui. Non, Joël, je ne peux pas, moi, Tiani, démobiliser des patriotes. Mais 20 000 francs, c'est qui ont donné de leur sang pour ce pays. Mais c'est injuste que Samalou Kondé perçoive de l'argent à. Pour payer là où il dort. C'est injuste qu'il y ait des 32 millions de dollars ou 12 millions à l'Assemblée nationale où les gens vont aller fêter au Grand Hôtel à Pullman pendant que celui qui c'est lui qui a une arme qui donne sa vie pour ce pays quand il meurt même là quand ça fait mal. Et nous on a cru
que quand il y a un nouveau régime, c'est la vie de ces gens-là qui doivent changer. Ce n'est même pas nos vies. Moi, je ne suis même pas candidat demain. J'en ai rien à faire. Merci oui. du peu. Parce que même les amis qui sont devenus candidats n'ont rien changé dans la vie du Congolais. Mais ah oui, les anciens journalistes engagés. Ça fait mal parce qu'aujourd'hui, nous parlons à la télévision. Nous sommes des grands donneurs de leçons. Mais notre population vit dans une misère exécrable. Je viens de suivre un document de nos amis de Kelboulmak. Souvent, les gens qui font des documents en Lingala, on a l'habitude de négliger, mais ils font des choses exceptionnelles. Ils sont filmés à Kimbanté qu'on vend des poissons fumés. Mais on ne vend pas les poissons fumés, mais jamais. On vend quoi? Moutou. La tête du poisson. La tête du poisson fumé. Oui. En français, Kimi. Bah, kati bah, poussière. On a fait le Lingala. Pardon, j'aimerais. Émission des assurances. Là, je vais prendre le Congolais. Oui, oui, mais dites-le en français. Kati kati kati, Miki. Ça devient la poussière. Poussière, bah, t'es gagné 300 francs. La poussière, Jean-Marie. Ça veut dire qu'il veut juste avoir un goût du poisson. Jean-Marie, 300 francs. Moutasso, maman, t'aimes la tienne, on a kati. Oui, et ma bakou. La minute où ce qu'on vend, Noël Tchanias, spécialiste en économie, ou même l'absence d'économie, et qu'on a besoin de Congolais. T'es rechangé ni la vie à Congolais pendant que les bisous, tous les bateaux, il y a eu 40 jours. Élisée Odia vient de dire ça, que le Samalou Kondé est là. Mais il y a urgence, tout est urgent dans ces pays. Mais il y a urgence pour nous payer, pour nous arrêter pour les vignettes. On nous a arrêté pour les vignettes. Dès lundi. Il faut payer, il y a urgence. Il y a urgence pour payer ce qui est rare, aussi, c'est quoi ça, Pour payer des taxes, le courant, l'eau, l'agent de la SNEL vient, il monte direct. Ce courant n'existe même pas, mais il va monter. Mon frère est à Mangafoula. Posez-lui la question sur de l'eau. Il y a même un forage qu'on a créé vers Oasis là, pour qu'on commence à vendre des gens de l'eau. Mais le tout ça, on ne voit pas. Les érosions à Kimwenza, 4 millions sont sortis. Les escortes sont 4 millions. Mais vous voyez des gens, le train de vie des gens, on sort de l'argent comme ça à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement. Il y a de quoi dire qu'il y en a marre. Et puis, j'ai une dernière question, et ça va tourner la parole. C'est vrai que vous vous êtes indigné depuis très longtemps. Mais comment expliquer qu'à chaque fois, après indignation, mouvement citoyen, journaliste engagé, député révolté, il n'y a pas sonné d'alarme? Oui, parce qu'il faudrait le dire, hier, c'était l'alliance FCC-CACH, aujourd'hui l'Union Sacrée, mais malheureusement, parce que c'est là que je parle. Mais cette culture d'acceptation des convertis de la dernière heure, bon, qui sont blanchis. Moi je n'ai jamais parce cru. Parce que j'ai entendu dire. Quelqu'un comme Bikaï. Quelqu'un comme Bikaï. Vous citez le nom des gens. Jean-Marie Bikaï. J'ai dit converti de la dernière. On parle de Congolité. Quelqu'un comme Bikaï. Ben, il est Congolais. Avec beaucoup de respect, qu'il les aime, excuse. La Congolais, c'était la prostitution Congolais. Politique, Jean-Marie Kassamba. Oui. Ce que fait dynamique Bikaï. Politique. Il faut avoir honte à un moment dans la vie. Même tu regardes tes enfants, tu dis j'ai honte. Bikaï peut laisser Kabila. Bikaï peut laisser Kabila. Soyons sérieux. Attaque au Kabila Zalakamabe. Vraiment. Ils ne méritent même pas la loyauté de certains d'entre eux là-bas. Ils Je dis au président Félix Tshisekedi, toutes les personnes qui ont traversé là, oui. De la même manière qu'ils ont laissé Kabila, de la même manière qu'ils vous laisseront, c'est des corbillards. Ils vous emmènent au cimetière. Eux vous emmènent. Et vous laissent et partent. Et ils reprennent. Ils vont chercher un autre corps. Comme ils ont fait avec Mobutu. Ils ont fait avec Mobutu. Oui. Ils l'ont fait avec Kabila. Oui. Ils sont avec vous. Et demain, ils vont le faire avec Katumbi. Merveille. J'ai beaucoup aimé la fin de Peter Tiani lorsqu'il parle des anciens politiciens qui ont travaillé avec Joseph Kabila et qui sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Il a dit tout à l'heure qu'il voudrait que je ne dise pas, que je ne demande pas pardon à Joseph Kabila. Je réitère. Monsieur Joseph Kabila, je vous demande pardon. Justement, regardez ce qui se passe, monsieur Jean-Marie Kassamba. Vous savez... Il a donné un exemple, il dit que Joseph Kabila fait plus de 10 ans, Félix Tshisekedi fait 4 ans. Même si on laisse Félix Tshisekedi faire 10 ans avec les mêmes acteurs, nous aurons la même chose. Moi, en fait, je ne suis pas, moi et vous, nous parlons presque le même langage, mais peut-être qu'on ne se comprend pas. Avec nuance, c'est vrai. Justement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre que de parler de guéguerre politique. Mais pourquoi il a cru à ces gens? Non, parce mais sont en fait, moi, sous je, l'attente. Moi, je ne donne pas aussi tort à Félix Tshisekedi. Il était obligé. Regardez dans quel contexte Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Félix Tshisekedi ne pouvait que faire des concessions face à Joseph Kabila pour qu'il arrive au pouvoir. Tous les analystes politiques le savent. J'aimais beaucoup ce que le confrère Joël Kadé a dit. Pour dire ça en d'autres termes, c'est que la politique, c'est un jeu dont l'enjeu est le pouvoir. Et pour atteindre les pouvoirs, il faut... Tous les moyens sont bons. Et
et que l'on condamne Félix Tshisekedi aujourd'hui d'avoir fait alliance avec les FCC, moi je dis que c'est un faux débat. Ah oui. Mais seulement je pense que bien que la politique soit un jeu dont l'enjeu est le pouvoir, au-delà de ces jeux politiques, on devrait, les politiciens devraient penser également à l'intérêt, aux intérêts de la population, tout puisque s'ils sont là, c'est pour résoudre les problèmes de la population. Nous avons des sérieux problèmes aujourd'hui. Nous avons des sérieux problèmes et nous, journalistes, en tant que leaders d'opinion, nous devrions parler et dénoncer. Moi, aujourd'hui, j'ai dit que Félix Tshisekedi, en réalité, n'est pas vraiment très fautif, encore moins Samalou Kondé. Ce sont les politiques. S'il vous plaît, mais qui a la signature? Ce sont les... Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Oui. Félix Tshisekedi ne peut pas se permettre de prendre des décisions à la hâte. Il risque d'être rattrapé. Mais pourquoi il dit je? Non, mais c'est le chef de l'État. Il est élu au suffrage universel direct. Alors que le jeu se fait sentir. Non, mais justement, il est en train de jouer un jeu. Félix Tshisekedi, c'est un vrai diplomate. Il fait les choses calmément, avec beaucoup de maîtrise. Mais seulement, moi, en fait... Et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais l'État n'est pas son allié. Non, justement. Mais en fait, Félix Tshisekedi est obligé de jouer à ce jeu parce qu'il est entouré des renards de surface. Et le crocodile. S'il se permet de faire une petite erreur, je vous dis que ça lui sera fatal. Mais quand son parti politique, il a été dit tout à l'heure, oui. Son parti politique, non seulement ne fait pas de concessions par rapport aux partenaires, s'attaque même à ses propres services mais rapprochés. Mais son parti politique fait des concessions. Y compris, attendez, quand on attaque François Béat, de la manière dont on a attaqué le patron qui s'occupe de la sécurité et du président et de l'ensemble du pays. La concession. Ça, c'est un. Quand on s'attaque à un directeur de la communication qui vient à peine, il n'a même pas encore le bureau, n'a même pas signé quoi que ce soit. On lui donne 48 heures. On lui donne 48 heures. Et ce n'est pas, ces gens-là ne sont pas condamnés. Je vois le cadet dit que, bon, on a une liberté d'expression, forcément, mais une liberté d'expression qui est faite devant la permanence du parti en question. Est-ce que ce n'est pas une question de discipline, d'orientation? Bon, c'est vrai qu'à un certain moment, il faut un peu de discipline à l'UDPS, ça, je le pense sincèrement. Cependant, moi, je pense que étant dans un jeu démocratique, là ne devrait pas être les débats. Les débats devraient plutôt être quelles sont les solutions apportées pour résoudre les problèmes de la société. Tous les politiques qui viennent au pouvoir, ils viennent, au début en tout cas, c'est ça le slogan des campagnes, nous allons vous donner ceci, cela, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils sont dans le jeu politique. On ne pose pas cette question une fois au pouvoir. C'est-à-dire, on ne peut pas être 2 ans après, 3 ans après, commencer à se poser la question. Non, le problème, c'est le contexte. Madame, le contexte où nous nous trouvons, c'est vraiment très compliqué. Regardez comment Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Mais là déjà, il a le pouvoir. Non, je sais, il a le pouvoir. Une fois que vous avez le pouvoir, vous avez les signatures. Non, vous savez, il a le pouvoir, mais je l'ai dit ici que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Vous le savez mieux que moi, qui est ce qu'on appelle le bicéphalisme de l'exécutif. Et Félix... Mais qu'on a tué avec une union sacrée. Non, pas forcément. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Ça, c'est vous qui le dites. Et aujourd'hui, Félix ne peut pas se permettre de prendre des décisions seul. Il est obligé de faire avec la Mais consulte qui? Non, mais il consulte. Le Premier ministre si le gouvernement traîne, si le gouvernement traîne, c'est parce que justement, il ne veut pas faire les choses par sa propre volonté. Il veut en fait satisfaire tout le monde. Mais malheureusement, satisfaire tout le monde, c'est également. Mais merveille, lorsque on lance Tchile Gélou à la manière de 100 jours, oui. On sort l'argent du trésor, oui. Sans qu'il y ait un gouvernement responsable devant le Parlement. Demain, si ces chantiers ne sont pas terminés, si ces commandes ne sont pas livrées, qui va répondre? Parce que Joël Kadé va encore dire, le président de la République n'est pas responsable, le président de la République, ce n'est pas lui qui exécute, c'est le gouvernement. C'est ce qu'on disait de Tchiba à la son temps. Je vais répondre autrement, pour vous dire que les responsables aujourd'hui, ce sont des gros poissons, les chefs des regroupements politiques, parce que si... S'il facilite la tâche au chef de l'État, on ne va pas parler de sortir l'argent des 100 jours, etc. Au contraire, nous aurons un gouvernement responsable et qui va engager les dépenses. Quand? Mais c'est parce que les politiques bloquent que le chef de l'État aujourd'hui est obligé de... On s'achemine vers la minute, il y en a quelques minutes, mais qu'est-ce qu'on fait? Que faire maintenant? Que faire qui? Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Non, Félix Tshisekedi, aujourd'hui, nous devons plutôt demander aux politiciens, à ceux qui entourent les chefs de l'État, d'être souples, de faire des concessions afin qu'ils nous aient. Mais à quel niveau on dit que ce n'est pas Katumbi qui bloque? Non, mais j'en appelle, j'ai dit Katumbi. Katumbi ne bloque. Katumbi, Bahati Lukwebo, Steve Mbikai, mon ami John Lungila et autres, ils doivent mettre leurs intérêts de côté
et plutôt c'est un vœu pieux. Faire des concessions. S'il était entendu, il y a longtemps qu'ils auront fait les concessions. Non, non, mais je l'ai fait, je vais continuer. John Lungila, concluons l'émission avec peut-être une lueur d'espoir dans tout ça. Que faire maintenant? Akaj a raison. Comment dire? Je fais que c'est dans l'entonnoir maintenant. Oui, bien sûr, mais très vite. Bon, Jean-Marie, en tout cas, moi, je n'ai attaqué personne. J'ai tout simplement fait un constat. Concluez. Et ceux qui nous suivent aussi, je crois. Concluons. Nous sommes habitués à vivre cette complicité qui vous caractérise. Mais malheureusement, ces derniers temps, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a des contradictions entre vous. Si je le constate, on n'a jamais dit la même chose. Mais c'est la démocratie. Voilà, il faut l'accepter. On n'a jamais dit la même chose avec Jean-Marie. Quand vous tirez chez l'FCC, deuxième chose, Jean-Marie. Aujourd'hui, tu sais. Toi, Mbikaï, est-ce que vous avez toujours dit la même chose? Attendez. Parce que Mbikaï viendra pour conclure. Parce que Mbikaï et l'autre, là, votre tour viendra pour conclure. Je parle de Mbikaï, je vais vous rencontrer. Alors, aujourd'hui, si tu sais qu'il dit, est dans l'obligation de faire des recourir au machiavélisme, c'est parce que il s'est rendu compte qu'il a été roulé, déçu, parce qu'il a fait des cadeaux. Qui a roulé? Il a fait des cadeaux aux gens. Félix est roulé. Oui, parce que c'est avec beaucoup de facilité qu'il y a eu des rapprochements avec Katumbi, des rapprochements avec Bemba. Il a créé un couloir pour justifier ses rapprochements de ceux qui hier étaient dans la Mouka, dans l'opposition radicale, mais qui, par ce couloir créé par Félix Tshisekedi, ont eu l'opportunité de se rapprocher au nom de l'Union sacrée, au nom de l'intérêt du peuple. Alors que ces rapprochements, c'est juste profiter de la mamelle pour se refaire un peu. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi se rend compte. Donc il a donné à Katumbi le passeport. Oui. Il a permis à Katumbi de rentrer au pays et qu'au retour, il n'y a pas de reconnaissance, il est dans l'obligation de faire recours au machiavélisme pour... Joël Kadet parle, dit tous les coups sont permis, oui, Machiavel l'a prévu, et moi je ne suis pas contre Tiani, parce que si vous faites la politique, vous devez accepter cette réalité, vous ne pouvez pas vous plaindre, ce sont des critères, même la loi électorale qui existe actuellement, c'est conçu, élaboré par des individus, ce n'est pas Dieu. On peut le modifier et si... On peut la modifier. Merci. D'accord. Et si par erreur, oui, que Katumbi se retrouve un peu encore une fois disqualifié, il ne faudrait pas nous faire voir que le Congo va s'arrêter. Mais je termine parce qu'on m'a beaucoup épinglé ici, tout en épinglant Mbikaï. Je vais quand même répondre. Très vite. Vous savez, mais il faut être sincère et honnête. Oui. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent de l'EPST. Il faut tout oublier. Il y a de l'argent de l'EPST. A été gouverneur de la grande province du Katanga. La province qui fait nourrir même la République. À l'origine, oui. Oui. Mais vous ne pouvez pas dire par quelle magie il a quitté Kabila pour rejoindre aujourd'hui, tu sais qu'est dit, l'opposition. Mais Mbikaï a créé la DTP. Dynamique, tu sais qu'est dit, président. Il a été élu comme député au nom de la DTP qu'il avait créée, avec tu sais qu'est dit, le père. Aujourd'hui, si Mbikaï... C'est sa famille naturelle. Il faut faire tu es sérieux de ensemble parler de Mbikaï. Avec tu sais qu'est dit. D'ailleurs, moi, je l'encourage parce que lui, au moins, il est sincère. Contrairement à Katumbi, contrairement à Bathier Le Zo, dont les agendas ne sont pas clairs. Les agendas sont pratiquement fous. On ne sait pas. Je termine, Jean-Marie, s'il vous plaît. Très vite. On ne maîtrise pas, s'il vous plaît, soyez discipliné. Attendez. On ne maîtrise pas l'agenda 2023 de Katumbi, de Bahati, de Bemba et les autres. Mais si vous acceptez d'être allié, partenaire politique de Tshisekedi aujourd'hui, vous devez l'accompagner jusqu'en 2023. Et si Mbikaï le fait, moi je dis chapeau bas, parce que lui au moins il est sincère, avec son front patriotique, pour soutenir une candidature. Mais qu'en est-il de Katumbi? Qu'en est-il de Bahati? Qu'en est-il de Jean-Pierre Bemba? Par rapport à tout ce que Tshisekedi a donné comme avantage à ces derniers. Aurait tous c'est l'ingratitude. Dans les passeports. Mais il ne faut pas, pleurer. Jean-Marie, je termine, il ne faut pas pleurer. Oui. Si on vous dit, si Tchani vous dit que... il faut être de père et de mère pour être candidat. C'est normal. Parce qu'on ne peut pas donner les pouvoirs à la conclure aussi. La présence à n'importe qui. Pas en dessous de la signature, de la ceinture.
Jean-Marc a dit quelque chose d'important dans l'émission. Oui. L'homme politique pense aux prochaines élections. L'homme d'État pense aux prochaines générations. C'est toi qui as dit ça. Il analyse maintenant ton monsieur là. Oui. Donc il pense déjà aux prochaines élections. Ton monsieur là. On est fini, on a terminé. Donc quand tu analyses un monsieur comme. Si tu as de la voix, tu ne peux pas parler de lui sur le plateau. Et pour finir, ça c'est très important. C'est un ministre en exercice, attention. Oui, on a aussi. Et vous pensez que Katoum, il faut en parler parce qu'il a fait quoi? C'est un ministre. Dans ce pays, Katoum, il a fait quoi? Attention. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays? Je ne parle pas de Katoum. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son bilan? Je ne parle pas de Katoum. Il n'a rien fait. Il a profité de ce pays pour s'enrichir. Je ne parle pas de Katoum. Il n'était pas venu millionnaire, milliardaire. Protégez-moi, Jean-Marie. Alors, je protège vite. Deuxièmement, je conclue par là. J'ai fait une enquête des. De quoi? De l'EPEST. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais là, raconte-moi, frauduleux. Des détournements graves. Ce n'était pas une enquête, c'était un reportage. Des détournements graves de l'EPEST. Attention, imputation de la majeure. Des détournements graves, Jean-Marie. On a sorti de l'argent. Je vais vous donner les documents. Lui, il a amené quelqu'un pour les droits de réponse. On a sorti de l'argent. Mais là, vous êtes hors sujet. C'était un reportage, ce n'était pas une enquête. Concluez. Beaucoup d'argent, Jean-Marie, c'est important pour l'opinion que nous sommes. Parce qu'on a besoin d'argent. Oui. Félix Tshisekedi a lancé la gratuité de l'enseignement. Eux, ils ont compris. Et ça réussit. Et ça réussit. Voilà, ça réussit. Et ça réussit. Détournement. Ça réussit. Merci beaucoup. Joël Cadet. Une phrase. Une phrase pour terminer. Je voudrais dire à John Lungila qu'on n'a jamais parlé en de même terme. Jamais. Peter et par mais contre, on a toujours été dans une opposition. Vous répétez conclure. Depuis toujours. Mais dans un combat pour le journalisme engagé, ça, on était ensemble. On s'est engagé lorsque les amis ont été arrêtés. Mm. Et donc, on n'a jamais parlé le même. Concluez. La politique est en même temps une science et un art. Et lorsqu'il y a l'art, c'est. Lorsque la politique est un art, ce sont les manigances qui se font dans les couloirs, dans les laboratoires. Si aujourd'hui, on monte les enchères contre Kabound, c'est ce qu'on appelle l'art. C'est là où on peut dire que la politique est l'art de mentir. Hein? Vous verrez, Kabound aujourd'hui, tous les laboratoires, tous les grands leaders d'opinion, c'est contre Kabound, il a détourné, il a fait ceci. Mais également, la politique est une science. Et lorsqu'elle est une science, on étudie les faits et l'homme politique. Et c'est lorsque nous étudions les faits et l'homme politique, qu'on découvre que l'homme politique n'a pas d'idée, l'homme politique congolais particulièrement, n'a pas d'idéal. Parce que lorsque, aujourd'hui, dites-moi, vous avez les unitaristes qui s'unissent avec les fédéralistes, vous avez les gens qui pensent, les libéraux qui s'unissent avec les autres. Donc ce dont j'ai besoin maintenant, c'est appeler président Félix Tshisekedi Tshilombo pour qu'il travaille. Aussi bien sûr, son devenir, c'est normal. C'est logique, c'est de son propre droit, mais qu'il travaille sur son bilan aujourd'hui. Comment le vendre en 2023 pour être réélu? Alors, s'il croit que ceux qui sont venus pour lui faire des cadeaux, en politique, il n'y a pas de cadeaux. C'est là où nous disons que la population souffre et qu'il a ces deux ennemis-là, la misère de la population et le temps. Il doit se battre contre le temps parce que le temps ne sera jamais son allié. Et donc, merci beaucoup, on a laissé la place. Et inviter ses collaborateurs à travailler pour la réussite de merci Félix beaucoup. Au lieu de se précipiter à construire des merci Joël Cadet. En étage. Mot, ce n'est pas, ce n'est c'est pas. Quoi le mot en fait, je c'est quoi le mot saluer le docteur Jérôme Mouniangui qui nous suit maintenant à partir de Matadi. Oui. S'il vous plaît, c'est qu'est-ce très qu'il important, a fait Mouniangui justement avec COVID, avec le protocole article Covid, avec les essais cliniques. Aujourd'hui, le comité national d'éthique de santé est allé à Matadi et a approuvé. Et s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dois laisser maintenant la place au journal. Merci beaucoup. La plus intéressante. Moi également, je n'ai pas compris. La justice. Concluez la justice. Mais je ne sais même pas conclure. Donc, comme vient de dire. Donnez des conseils aussi. Moi, des conseils, je ne sais pas. Je crois que c'est quelqu'un de rodé qui est là depuis un temps ici, dans la sphère politique, monsieur le président. Plus que. Plus que deux ans, le pays a besoin de vous. À un certain moment, tapez du poing sur la table, il faut dire ça suffit. Agissez, comme vous avez dit, c'est désormais votre vision qui devait être appliquée. Alors, tapez du poing sur la mais table. Mais qu'il tape du poing sur la table en respectant naturellement les textes, la constitution et toute la réglementation. Parce que si on est hors texte, on peut être rattrapé aussi par ses propres décisions. Portez-vous bien, à la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Et n'oubliez pas, dimanche, focus 14h-16h sur Kinshasa cette fois-ci. Poubelle ou la belle? Eh bien, il y a longtemps, c'était la belle. Poubelle.